Allez, c'est parti les amis, c'est parti, c'est parti. Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne Twitch et sur ce live dédié, comme vous le voyez, à Destiny 2, la reine sorcière, The Witch Queen. Donc cette extension, on l'attendait depuis plusieurs mois. Elle était normalement annoncée pour la fin d'année 2021. Il y a eu un report par rapport à les problèmes de développement et de production qu'ont eu les développeurs. Développeur de Bungie, mais elle est enfin là. Nous sommes le 22 février 2022, le 22-02-2022, les amis. Une date à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de Destiny, parce que là, on switch d'extension. Donc on met de côté toute la partie Beyond Light. Enfin, on la met pas de côté, mais en tout cas, maintenant, elle est en retrait au niveau de l'histoire, et on arrive de plein pied dans l'arc narratif qui va mettre en scène Savathun. Donc si vous avez un peu suivi les événements de Destiny 2 l'année passée, donc on a eu un peu de Vault, enfin de planètes qui sont parties dans le Vault de Destiny, donc qui ont disparu, qui ont été croquées par les forces des ténèbres, donc qui ont disparu dans des anomalies, et on a eu à la place l'arrivée de nouvelles zones d'exploration comme Europa, donc le satellite de Jupiter. Et donc du coup, on se retrouve là maintenant avec une nouvelle extension. Alors, pas de nouvelle zone annoncée, en tout cas dans un premier temps. Donc on se retrouvera normalement sans surprise avec des zones déjà connues, si ce n'est que la côte enchevêtrée, elle disparaît par rapport à ce qu'on connaissait des saisons précédentes. Et par contre, on a toute une nouvelle histoire qui va se mettre en place autour de Savathun, qui nous a bien endormi sur l'année passée, parce qu'en fin de compte, si vous avez un peu suivi le lore de Destiny 2 sur l'extension Beyond Light, dans la quasi-totalité des saisons de Beyond Light, en fait, on était triqué par Savathun. Elle avait pris possession d'Osiris, ou en tout cas, elle s'était transformée en Osiris, et c'est elle qui nous a mené à la baguette pendant toutes les saisons, qui nous a fait faire ce qu'elle avait envie de faire pour un peu plus s'éveiller, donc prendre de la puissance au niveau des forces des ténèbres. Et du coup, là, ce qu'on va avoir à affronter sur cette nouvelle extension, c'est certes les corrompus, les Taken, comme on les avait découverts à l'époque sur Destiny 1, avec l'extension, l'une des meilleures extensions à ce jour sorties sur la franchise, donc le roi des corrompus, donc avec ces fameux êtres de la rue qui sont transformés en créatures corrompues par les ténèbres, les Taken. Et donc, elle, Savathun, la reine sorcière, donc, elle réussit à contrôler la lumière du voyageur. Donc, ça veut dire que maintenant, on va affronter des créatures de la rue, des créatures corrompues, qui maîtrisent la lumière et qui donc ont également des spectres, des ghosts, et qui vont pouvoir se revive si on ne tue pas leurs ghosts, en fait. Donc, ça a amené apparemment de nouvelles mécaniques de gameplay, et évidemment de nouveaux pouvoirs qu'auront les adversaires à déverser sur nous. Et là, alors, comme fait marquant à retenir pour l'arrivée de cette extension, on a notamment le crafting des armes qui va être mis en place. Donc on va pouvoir se crafter nos propres armes, notamment une arme qui s'appelle le glaive, qui est une sorte de lance qui peut servir d'arme de mêlée, mais aussi d'arme à projectiles. Donc elle est capable de lancer des coups de blast laser. Et également, un autre gros point qui va être présent sur cette extension, c'est le rework de la doctrine Void, donc abyssale. C'est-à-dire que l'extension Beyond Light avait introduit la stase, donc la quatrième doctrine que peuvent contrôler les titans. Une doctrine plutôt des côté des ténèbres, donc on a ces trois doctrines entre guillemets de la lumière qui sont le cryoélectrique, le solaire, l'abyssal, et on avait cette quatrième doctrine qui était la stase, qui là nous amenait à contrôler les effets de la glace, et on arrivait à bloquer les adversaires dans des murs de glace, dans des tornades de glace. Et là maintenant, on va pouvoir réutiliser de la même façon qu'on a utilisé la
la stase, donc avec la collecte d'artefacts, la façon de tweaker les différents pouvoirs de la stase. Et là, on va avoir un peu le même principe pour la doctrine abyssale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir upgrader nos différents effets de doctrine abyssale au fur et à mesure qu'on va progresser dans l'émission, qu'on va débloquer de nouveaux items pour améliorer notre doctrine. Donc là, que ce soit à la fois pour les titans, les arcanistes et les hunters, les chasseurs, on aura donc une nouvelle revamp, rework de notre doctrine abyssale. Je propose maintenant d'aller tranquillement de rentrer dans le vif du sujet et on va regarder un petit peu comment va se passer cette extension. Alors, je fais un petit disclaimer, les amis, en plus du placement produit, le petit poison, une série limitée, pas illimitée. Je vous montre ça, on la reverra plus de sitôt, celle-ci, je pense. La San Pellegrino Aranciata Rossa. Petit moment dégustation. Santé. Donc, pour info, moi j'ai arrêté Destiny à la saison 13, je crois. Ça veut dire que ça fait presque 8 mois ou 9 mois que je n'ai pas joué au jeu. Donc j'ai repris là il y a quelques jours pour un peu me remettre dans le bain, puis voir un peu comment allait se dérouler cette nouvelle extension. Et donc j'avais des personnages qui étaient à 1280-1270 en puissance de lumière, pour vous donner un ordre d'idée. Et là, quand vous arrivez sur cette extension, vous êtes évidemment de base à la limite basse, donc de puissance, qui est maintenant, comme vous le voyez, 1350. Et évidemment, ça va aller très haut au niveau de la puissance qu'on va pouvoir acquérir. Et alors maintenant, il y a une nouvelle fonctionnalité dans la campagne principale, c'est le système de mission légendaire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire la campagne principale. Je vais me taire, je vais vous laisser profiter de l'intro. Mais depuis la disparition brutale de nos planètes, je n'ai plus que des questions à leur offrir. Et maintenant que Mars est réapparu, je ne sais même pas par où commencer. Où est-elle ? De temps. Les cabales se mobilisent. Nous devons... sécuriser la zone. Comme vous expliquez, avant de voir cette introduction rapide, on voit une Cora là, apparemment sur Mars. Donc je vous parlais dans Beyond Light de zones, de planètes qui avaient été voltées, qui avaient disparu dans les ténèbres, les anomalies, les forces des ténèbres, dont Mars. Et là, manifestement, Mars fait partie des planètes qui réapparaissent. Et donc, on va devoir prendre la mesure de quelle est cette nouvelle menace, donc ça va tout. Et apparemment, comme vous l'avez vu, les cabales qui sont parmi nos ennemis les plus féroces, ils vont nous,
prêter main forte, ou je sais pas trop, en tout cas, comme on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc s'ils sont contre Sabatoun et nous étant contre Sabatoun également, on va peut-être pouvoir s'allier avec eux. Il y avait eu une saison hein, dans l'année précédente avec l'impératrice Kayatel, donc une impératrice cabale, où on jouait un peu les coudes avec les cabales, on s'assistait un peu, mais en se mettant aussi sur la tronche. Et ben là, on va voir un peu ce qui va se passer. Donc ce que je vous expliquais avant l'intro, c'est que maintenant, il y a deux niveaux de difficulté dans la campagne. Donc il y a la version Soyez Brave, donc la campagne classique. Donc comme vous voyez, qui peut se jouer en solo ou en escouade à 3. Et il y a la campagne Devenez une légende, la version Devenez une légende. Donc comme vous voyez, atteignez des niveaux de défi dans cette version. Attendez, je vais cacher ça. Atteignez de nouveaux défis, nouveaux niveaux de défi, pardon, dans cette version légendaire de la campagne de la Reine Sorcière, en solo avec une escouade d'amis. Et donc là, autant, vous voyez, on explore le domaine et on peut récupérer des récompenses classiques. Là, on a des loops supplémentaires, comme vous le voyez. Vous affrontez des missions plus difficiles et des combattants plus puissants, recommandés pour les joueurs expérimentés dotés d'un large arsenal. Donc moi, je vais y aller en slip, si on peut dire. À mon avis, je vais me faire défoncer et après, je vais repartir dans la difficulté classique. Mais sachez que quand vous arriverez à faire chacune des missions de la campagne principale dans cette difficulté, vous récupérez des items de plus grande puissance. Vous voyez là, par exemple, on parle d'un pack d'équipement de puissance de 1520, de module d'amélioration, ça c'est pour upgrader vos équipements. Vérité supérieure, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc ça doit être certainement des nouveaux artefacts qui nous servent à grinder, peut-être à crafter les armes, puisque je vous parlais de ce fameux nouveau système de crafting, et des armures exotiques, bien sûr. Donc, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le mode de difficulté de Devenez une légende. Je vais certainement me faire éclater, mais juste pour voir à quel niveau la difficulté est portée. Et après, je reviendrai modestement au niveau Soyez Brave, mais j'ai envie de tester, j'ai envie de me challenger avec ça. Donc, n'hésitez pas à me dire hein, si le son est trop élevé au niveau de la musique d'ambiance. Je vais peut-être la baisser un petit peu là pour vous faire profiter de la musique du jeu. Je vais mettre un petit peu la musique du jeu. Voilà, et on va pouvoir y aller comme ça tranquillement, les amis. Je n'ai pas regardé s'il y avait les drops ceci. Juste quelques petites secondes, excusez-moi. Je vais regarder s'il y a des drops de V à cette campagne. Je ne pense pas à cette sortie de Destiny 2, je ne pense pas. Je crois pas que Bungie soit fan des drops sur Twitch. Mais dans le doute, je vais quand même vérifier. Non, il n'y a pas de drops. Donc tout va bien, je n'ai rien activé de mon côté. Allez, c'est parti les amis. Canton devenu une légende. Alors, quels sont les modificateurs? Il y a plein de trucs. L'arrivée. Alors, les acolytes vaincus font apparaître des flaques de feu. Ok. Les combattants ont davantage de points de vie et sont plus difficiles à étourdir. Ok. Comme vous voyez, je vous expliquais que maintenant, les forces de Sabatoun, donc ces forces corrompues, elles ont des pouvoirs de la lumière. Et comme vous voyez, ben là, on voit des champions corrompus, apparemment, avec la puissance de l'abyssal, la puissance du feu, puissance électrique, enfin cryoélectrique derrière, donc il va falloir les affronter et contrer leur force de la lumière. Le radar est désactivé, ou ça c'est pas bien grave, des combattants très agressifs équipés de puissants boucliers. Ah oui, quand même, je pense que je vais pas aller très loin, mais c'est ça le challenge. La difficulté de l'activité est fixe, votre puissance effective est limitée à 1350. Ah oui, donc quoi qu'il arrive, on nous met un level cap à 1350, même si on est au-delà. Watch. Votre personnage actuel n'a pas encore terminé cette mission de difficulté légendaire. Terminez toutes les missions légendaires pour obtenir des récompenses supplémentaires pour chaque classe. Et il faut toutes les terminer. C'est pas à chaque fois qu'on en termine une. Ok. Bah écoutez, on va voir ça. Je pense que ça va mal se passer. Mais je paye pour voir. Peut-être juste au niveau de ma team, pas où est-ce qu'on met ça? Je sais plus où est-ce qu'on met ça. Je ne sais plus. Je voulais juste éviter de, comment vous dire, d'être rejoint par des collègues pour essayer de me mettre en mode tryhard pur. Bien sûr, Mars. Ok.
De retour sur Mars, ça c'est quelque chose qui m'avait un peu attristé à l'époque, c'est-à-dire que quand on était passé sur Beyond Light, on savait très bien qu'il y avait un vaulting des différentes planètes qui disparaissaient, il y avait Titan qui disparaissait, il y avait Mars qui disparaissait, d'autres planètes qui disparaissaient, donc c'était un peu la tristesse. Et là, on se retrouve... non, mais je ne veux pas afficher le profil, ouais, c'est content qu'on ait nos mains sur toutes les plateformes. Moi, je voulais juste dire que je reste solo dans mon escouade, en fait, c'était ça que je voulais dire. Je peux pas dire ça, au niveau de mon escouade. Non. Bon. Il y a peut-être une option qui a changé, je ne vois pas trop comment ça se passe. Est-ce que c'est dans les options, peut-être ? Manette, jouabilité. Du crossplay, ouais. Bon, bah, écoutez, je vais essayer quand même de la faire solo. J'espère que on ne me rejoindra pas en cours parce que j'ai vraiment envie de tester ce challenge extrême. Gardien, Eris et moi nous établissons les opérations des clandestins près du berceau. Où vous trouvez-vous? Dans une sorte de champ cultivé. Ce que vous voyez est une fenêtre sur l'âge d'or. Mars est revenu avec des instabilités temporelles. Et la présence de Sabatoun n'est pas une coïncidence. Nous pensons que la réapparition de Mars l'a poussée à sortir de sa cachette. Selon nos renseignements, elle pourrait être affaiblie. La flotte des cabales bloque l'accès à son vaisseau. Vous devez trouver un moyen d'aller là-haut et de retrouver Sabatoun. Ça pourrait être notre seule chance de frapper. Ok. Donc là, il y a les sortes d'anomalies temporelles. On voit une autre version de Mars. Une version de Mars quand Mars était, était fertile, enfin, avait été terraformé par, par l'humanité. C'est quand même une sorte de champ de maïs. Donc là, j'ai pas le radar, c'est ça. Pas mal cette distorsion, cet effet là. C'est quoi ça? Non, c'est rien, c'est juste la distorsion qui fait ça. Ok, d'accord. Alors, allons par là. On va voir ce que ça va donner. Je peux pas invoquer le passereau. Ça, c'est le vaisseau de Sabatoum. Comment ça retourne en combat? Sérieux? Les cabales, ils n'ont pas l'air gentils. Et donc forcément, ils ont un niveau de puissance plus élevé que moi. Puisqu'on est capé à 1350, si j'ai bien compris. Ça pète quand même, hein. Arme énergétique. Ok. Oui, bon, il y a une tourelle. Ok. On s'énerve pas. J'ai pas forcément les bonnes armes. Pas de brûlure violette. On va essayer de négocier ça. Ouais, je l'ai enlevé quand même. Je
quand même pas mal de mines pour les tomber. Hein. Si je trouve pas de mines sur le chemin, ça va être technique. Après, j'ai pas forcément les bonnes armes, hein, donc si j'arrive à prendre des points de passage, je me débrouillerai comme ça. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Ramasser la bonbonne. Ok, je vais reposer la bonbonne. Option. Bah, quand tu prends la tête, ça fait mal quand même. Ça croque sous la dent. Faut juste faire gaffe à leurs ondes de choc là. Ça part là. Ok. Personne. Ok. Je vais faire le tour de la zone quand même. Grand chose par là. On se tape les cabales pour commencer. C'est quoi? Mais ça, c'était pas ce qu'on avait vu sur sur Yo, ça, ce genre de d'amphithéâtre. Là. Il me semble qu'il y avait ça sur Yo. C'était là où le voyageur était venu se poser à un moment. Je me rappelle pas qu'il y avait eu ça sur Mars. Alors, j'ai mis des méchants au fond là. Ouais, il me faut les armes à distance plutôt. Je vais essayer de partir sur du sniper à mon avis. Qu'est-ce que j'ai en magasin? L'arc. J'ai un fusil à fusion, mais ça porte pas trop ça. J'ai le fil d'éclaireur. Après, j'ai quand même. Ouais, ombre et lumière. Ça reste efficace parce que. Peut-être équiper ombre et lumière ici. Puisque je peux changer de brûlure. Ça va peut-être m'aider. Pour pas trop me galérer contre les boucliers. Je suis un peu loin. Et c'est pas plus mal. Au principe du tir au pigeon avec les cabales. Là, ça donne une petite pression parce que du coup on rush pas la mission principale comme un teubé. On essaie de faire gaffe. Parce que là la moindre erreur ou le moindre rush, on peut le payer très cher. Quoi là, ouais, je n'ai rien. Ouais. Un sniper, c'est le mec là-bas qui m'arrose là. Ah oui, c'est le mec là-bas qui m'arrose. Je vais me le négocier avant. Même si ça me prend un peu de temps. Voilà, il est mort, il s'est pris explosion. Du baril. Oh, les petites mines lourdes, je dis pas non. Donc là, c'est un énorme canon. Ouais, il voit toujours les choses en grand, les cabales, de toute façon. Je sais pas si j'ai la bonne doctrine, hein, mais au pire, je changerai de doctrine si je vois que je bute sur un affrontement. Oh, là-haut, quand même. C'est... Qu'est-ce que t'es, toi? Oui, d'accord. Tu vas pas lâcher les trucs, lui. Ah, on peut passer par haut, bien sûr. Pop 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 p
là. Ouais, mon ombre à lumière, à mon avis, elle va bien me servir là. Parce que déjà, c'est une arme principale, donc j'ai les munes illimitées maintenant. Ça, c'est le cas depuis je ne sais plus quelle saison de l'extension de pré-saison. Et en plus, le fait d'avoir les trois brûlures possibles en faisant juste un rechargement, en fait, ben, je pense que ça va bien m'aider là, sur ces missions légendaires. Là, je ne vais pas avoir besoin de switcher d'armes pour m'assurer d'avoir les bonnes brûlures à chaque fois. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse là? D'accord. Okay. Dehors il y a quelqu'un. Non, c'est en face. Ça avait l'air d'être en face. Non, je sais pas trop d'où ça tirait en vrai là. Ah, c'était peut-être lui. Ok. Je retournerai sur ma plateforme quand tu auras une deuxième vague, histoire de pas prendre trop de risques. Voilà, voilà. Je les laisse descendre, moi je monte. Cadeau. Ah, toi t'es gros par contre. Ok. Brûlure. Feu. Attends, calme-toi, toi. Voilà. Restez serein. J'aime bien la poésie du ombre et lumière. Très poétique comme un. Ok, ça revient par là. Je vais laisser descendre comme tout à l'heure. Et je remonte. Attention. C'est bien parce qu'ils sont dans mon shield, donc okay, je l'ai eu. Lui. Fine, je le sentais 11. Il va pas me rester grand chose. On va refaire la même, hein. Je vais pas prendre de risque, on change pas une équipe qui gagne. Allez, hop. Ah, il est peut-être un peu plus gros, lui, ceci dit. Ouais, lui, il est peut-être plus gros. Donc, on va faire attention. Juste voir sa brûlure. Bah, il n'en a plus. Ok. Alors, là-bas. Ok. Presque mort. Il est mort. Ouh, mais moi, j'ai pris cher. Ça passe. Ok. Oh, j'avais gardé le super exprès. Hein. Ok, c'est passé. Bon, faut y aller en douceur. Je sais ce que vous dites, mais faites pas confiance. Ça m'a marché. Mes plans fonctionnent toujours. Alors, qu'est-ce qu'on loot? Même si je suis capé... Ouais, voilà, je dois looter un petit peu au-dessus, normalement. Ça, c'est bien. Ah, je croyais qu'on était capé à 1350. J'ai pas bien compris. Je suis bien légendaire, là. Ouais. Ok, bon, on va voir. Oula, c'est quoi ça? Ok. Ok. Bonjour, No. Thank you.
bonne portée, l'ombre et lumière, quand même. J'aime pas ces trucs-là. Voilà, je préfère le péter plutôt qu'il m'explose à la figure. Alors, en bas, on a ça. Pas l'air d'avoir de gros méchants à côté. Tant qu'il n'y a pas de gros, enfin de plus gros que les cabales classiques, je vais avancer tranquillement. Je fais juste gaffe à ce qu'il n'y ait pas un drop là de leur capsule d'atterrissage là. Je peux te toucher ici toi ? Alors peut-être un peu loin. Oh quoi que. Je sais pas pourquoi il met une mine, mais... Ouais, je vais aller chercher, ça va être plus simple. Là tiens. Est-ce que la puissance du titan? Ah bah bien sûr. Bien sûr. Ok. J'essaie de prendre des spots pas inaccessibles, mais au moins où j'ai un minimum de contrôle et un minimum de protection. Comme ça, je me fais pas rusher de façon trop violente. Faire péter les explosifs, hein. Je prends zéro risque. À mon avis, ça peut partir très vite en sucette. Genre, je me fais contourner. Tu sais pas trop ce que tu veux. Non, c'est bon. Voilà, j'aime bien ces zones là comme ça, ça évite de se faire contourner. Donc là je dois ouvrir les circuits de carburant. Ça ressemble à quoi? J'en ai un là. Et le deuxième, il est où? Le deuxième doit être au-dessus, logiquement. Ok. Allons-y. Il y a un gros là-bas. C'est quoi comme brûlure? C'est du cryo. Ok. Alors, est-ce que je peux pas envoyer une petite grenade bien sentie, là? Genre par là. Il est mort. J'ai vu qu'il y avait de l'abyssal, il me semble, que j'ai pas dû tuer logiquement. Ouais, c'est toi l'abyssal. Reculer un petit peu. Il ne touche pas à cet endroit-là. Je suis limité en mun, donc je m'en fous un petit peu, en vrai. Je prends le temps qu'il faut. Alors qu'est-ce que je fais avec ça? Ramasser la clé. Ok, c'est une belle clé. Voilà, logiquement, il y a des ennemis qui vont dropper. Voilà. Peut-être le temps d'activer la clé. Non, je vais la poser. Je vais m'occuper des mobs avant. Surtout qu'ils ont tendance à knockback les pions avec leur vague d'énergie là. C'est super relou. Par contre, ils sont calbardés de... Ah putain. L'IA, elle est bien fouine quand même. Hein. Ils essaient de vous contourner, ils regardent un peu
le chemin pour venir jusqu'à vous et puis ils vous contournent comme des fourbes. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Non, ok, c'est posé. Ok, très bien. Alors, elle est où la dose? Oula, qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'était pas prévu par contre. Calme-toi, toi. C'est quoi ça? Ok. Calmer, toi. Apparemment, il y a des gars encore. J'ai entendu une explosion, donc... Ah oui, c'était toi. Ça, par contre, c'est du rouge, hein, je crois. Ouais, c'est ça. J'essaie de me fumer les autres avant, là. Je verrai sur le gros après. Voilà. Pas bouger. Allez, oui, je sais, ça picote un peu. Et toi, c'est du cryo, je crois, hein, du coup. Hein. Ah, c'est ça. Pas trop souffrir derrière le... Ouais, faut pas qu'il m'envoie ça, par contre. Faut pas qu'il m'envoie sur le canon de plasma, là. Oh, oui, c'est ça, faut pas que je le prenne, ça. Ça picote. J'attends, je suis au calme. Là, par contre, j'ai des problèmes avec mon stream. Non, ça a l'air d'être bon. Je suis en 720p. C'est étonnant, ça. Bon, je regarderai ça plus tard. Apparemment, je suis en 720p. Bien. Ok. Je crois qu'il est mort. Ouais. Il a droppé sa clé. Je vais équiper, hein, parce que là, de toute façon, nouvelle extension, nouveaux équipements, donc tout ce que vous aviez avant, vous pouvez le mettre à la poubelle, en gros, quoi. C'était quoi le gantelet de l'écho descendant, par contre? Ah, non, ça, je vais le garder. Oui. Ça, c'est un truc un peu de collection, là. Je vais pas... Oh, ça va respawn encore. Voilà, je vais essayer d'aller le poser avant. Ah, ce sont des fouilles, hein, quand même. Hein. Il laisse à peine poser. Hein. Tiens, prends ça, toi. À couvert, c'est vraiment des fouinasses. Hein. Au triomphe, ou c'est d'anciens triomphes, ça. Ça doit être d'anciens triomphes, à mon avis. People là-bas, là. C'est là-bas que je dois aller. Ouais, c'est là-bas que je dois aller. Ouais, donc ça, c'est un des socles où se posait le. Poser le voyageur quand il est arrivé sur une planète pour la protéger. On peut pas aller en haut là parce que il y a des trucs au-dessus là. Passe par là. Ah non, ils veulent pas. Ok, c'est bon. Dommage. Il y a une immense zone, mais on peut pas y aller. Quoi.
Bon, il est relou, lui. Il a vraiment ce pétard, là. Ah, j'ai pas tout à fait la bonne arme pour aller le prendre à cette portée-là. Après, munitions illimitées, je vais pas me priver, hein. C'est l'avantage. J'ai tout mon temps. Tant que je gagne, je joue. Zéro risque. C'est quoi ça? Une sorte de bulldozer. Ok. Ça sent le boss fight à un moment. Là, j'ai les appetizers. Normalement, je vais passer le pas de résistance. À un moment, il va y avoir le grand final, quoi. La cerise sur le gâteau. Là, faut que je rentre par là, hein, c'est ça. Ok, eh bien, on est parti. J'ai vu des amis à gauche. Au fond. Ok. Suffit la tour. Personne derrière. Mal. Que je peux l'avoir derrière le mur. Ok. Même chose que tout à l'heure. Ah non. Ah, je vais remonter là, parce que là ça pue. Si je peux le focus contre le mur, ouais, c'est bon. Parce que l'avantage de l'ombre et lumière, c'est que les balles, elles ont ricoché. Et ça, c'est très chouette. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas une ligne de tir directe sur l'adversaire, bah avec un petit ricochet, vous pouvez lui fumer la tête. Et ça, c'est cool. Donc j'ai bien fait d'avoir cette arme-là dans mon inventaire, sinon j'aurais été obligé d'utiliser DIM, Destiny Item Manager. J'aurais peut-être pas eu ce que je voulais. Ça va rester vigilant quand même. Je peux pas me rusher d'ici. Là j'ai un bon spot de campouze. Est-ce que je dois aller maintenant? Ah, je dois sortir, donc ça doit être passé. Ok, allons-y.
Oui, j'ai compris qu'il fallait que j'aille là. Hein. J'ai bien compris, bien sûr. Ouh, ça sent la bagarre. Oh, j'ai pas l'impression que ma lourde... que ma lourde ça soit la plus efficace pour un boss fight. On va la prendre quand même, on va voir ce que ça va donner. Rentre dans l'antre de la bête. Il faut que je passe là? Vous êtes sérieux hein? Non mais... Ok. C'est quoi l'embrouille? D'accord. Je le sentais qu'il allait y avoir un truc comme ça. Oula! On va faire respawner les mobs quand même là. C'est quoi ce point de contrôle? Bon, c'est bon, ils ont pas fait respawner les mobs. C'est quoi ce point de contrôle de l'enfer? Ils ont fait respawner les mobs? Non, c'est bon. C'est quoi ce point de contrôle de l'enfer? J'hésite vraiment à changer d'arme lourde. Bon, tant pis. Je vais y aller comme ça, on verra bien ce que ça donne. C'était où déjà? Ah, c'était là-bas, pardon. Allez, on va la faire moins crispée cette fois. Rotule, atterrissage. Ah, le voilà le boss fight. Bon, ça va peut-être être chaud. On va voir. Alors, ouais, je reste en solaire de toute façon. Qu'est-ce que c'est? Bannière? Ah, il y a une bannière de ralliement ici. Ça veut dire que je vais mourir et ça veut dire que je pourrais changer d'arme si l'arme ne convient pas. Donc pour l'instant, je suis capé, enfin, je suis maxé en arme lourde. Je ne vais pas m'embêter. Donc, si j'ai à respawner, bah, là je changerai d'arme lourde et je changerai la bannière. Il nous faut deux codes pour pouvoir faire fonctionner l'ascenseur. Seuls les ingénieurs Cabal les ont sur. Ok. Pour l'instant, je suis bien là. Je vais rester là un peu. Je vais regarder, je vais profiter de la vue. Ingénieur impérial, ok, donc il y a les vétérans. Ah, leur lancer de grenade, ils ont une précision, mais c'est les... précision d'un drone, quoi. Oh putain, je prends cher vite quand même. Cher vite, hein. Je suis un peu en caoutchouc. Hein. Je vais peut-être me mettre en doc. Oui, je sais que tu m'arroses. Oui, bon, d'accord. Il m'a en target le boss, donc là, je vais pas pouvoir faire grand chose, j'ai l'impression. Je vais pas arrêter de tirer. Ah non, là, tu t'es dit, je tire. Ok. Ouais, bon, ok. C'est là qu'il me faudra un sniper. C'est quoi ça? Ah mais là si je le change maintenant et puis ouais, changer à la place de... Ah j'ai ça bien sûr, reconstruction, mais bien sûr. Ah oui mais il faut qu'il y ait des munitions dedans quand même, sinon ça va pas construire grand chose.
peux faire des mules avec ce flingue, il me semble. Si je me rappelle bien, c'était un flingue de la crypte. Ah ouais, toi, t'as les missiles à stase, là, enfin, les missiles ralentisseurs, et en plus, tu viens nous emmerder, toi, avec ta sulfateuse. Après, j'ai tout mon temps. Hein. Encore une fois, je vais prendre zéro risque. Donc, s'il faut rester 10 minutes là, je resterai 10 minutes là. Hein. Mais trois bastos, c'est j'en prends plein le bec, quoi. Là, pour vous dire, pour ceux qui sont arrivés en cours sur le stream, je me suis mis en mode légende pour tester un peu la difficulté légende. C'est la nouvelle difficulté des campagnes, des missions de la campagne principale, qui vous procure de meilleurs loot. Mais par contre, les adversaires, ils piquent. Hein. Comme vous le voyez, là, au niveau des modificateurs, c'est assez burné, comme on dit, quoi. Et en plus, vu que j'ai arrêté de jouer pendant quelques mois, j'ai pas les armes les plus optimisées sur mon équipement. Donc, je vous cache pas que là, c'est un petit challenge. Quelque part, c'est ça qui est bon. Faudrait peut-être que je lui envoie de la lourde, mais à mon avis, eux sont juste des sous-boss, quoi. Qui sont là pour débloquer l'accès au boss final, donc ça sert pas à grand chose que je me mette trop dans le rouge. Il arrive à les toucher, hein. Ceci dit, j'arrive à les toucher, donc il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas à me toucher. Parce que j'ai pas envie de sortir de cette zone là, parce que je me dis que si ça se referme, ben, je serais bien coulant après. Bon, t'as bien arrosé, mon pote. J'ai des mines vertes là-bas. C'est pas mal, ça. Option qui a lâché de la mine verte aussi. Ah ouais, tu vises bien. Hein. Ah, tu vises très bien. Rien à dire. Après, j'ai une sulfateuse qui a une faible cadence de tir, mais qui porte assez loin, je crois. Exactement. Donc, je vais peut-être lui mettre 2-3 petites rafales là, de ma sulfateuse, qui vont l'entamer un peu plus. J'ai pas trop de balles non plus, donc je vais pas m'énerver. Ah, ces missiles de merde. Voilà, je lui en ai mis une petite secousse, là, quand même. Voilà, je vais pouvoir le terminer, je pense, avec ça. Il s'est rapproché un peu, là, ça m'arrange. Comment tu t'arrêtes ? Prochaine, ça devrait être bon. Ok. Ça a l'air safe. Alors, je vais pas prendre le loot tout de suite. Ah non, il y a encore un débile. Je dégage. Je vais ramasser les mules avant de trigger le loot, là. Voilà. On va le prendre après. Histoire... Charger les mines, j'entends encore un méchant. Oui, je m'en vais. Je récupère quoi? Code de contrôle de l'ascenseur. Ok, fine. Apparemment, cette zone-là a l'air d'être plutôt safe. S'ils avaient fait les enfoirés, ils l'auraient refermé. Mais bon, très bien. Moi, ça me va. Hein. 59, allez. Choper quoi comme loot? Je vais garder ça juste pour la forme. Ça va dégager à terme. Alors là, j'ai du snipe maintenant, du snipe avec reconstruction. On vous rappelle, hein, c'est snipe.
du donjon d'extension précédente. Dessus, il y a la plaque reconstruction. Cette arme se recharge seule au fil du temps jusqu'à doubler la capacité du chargeur. Mais pour ça, il faut quand même quelques balles dedans. Bonjour. Ah, pas plus que ça. Il y a un peu de monde là. Je garde mon super pour les plus durs. Sur quoi il tire là? Il me regarde pas. C'est pas grave. Je cherche pas à comprendre. Oh putain, elle était belle celle-là. Putain, cette grenade, comment ils vont chercher le tir? Un peu nawak quand même. Ok, toi t'es bon. Les loups là-bas là. C'est quoi le méchant? Ok, il y a le mec que tout à l'heure. Ok, c'est bon, on se calme. A chaque fois je perds 2 dixièmes à chaque œil quoi. Il faudrait vraiment qu'ils mettent un mode photosensible en fait. Parce que historiquement, enfin si on veut parler d'histoire pour un jeu vidéo, mais. Destiny, il y a toujours eu des effets de lumière, mais de l'enfer. Et à un moment, t'en as plein les yeux et t'en as ras-le-bol, quoi. Tu te fais défoncer les yeux. Non, ajuster la luminosité, c'est juste pour la luminosité de base, quoi. Parce que dans certains jeux, normalement, notamment dans Lost Ark, si vous connaissez le dernier MMORPG gratos, enfin free-to-play, qui est sorti là chez Amazon Games. Il y a un mode qui a dans les settings une option pour désactiver les effets trop lumineux. C'est un mode photosensible en fait. Et moi je me rends compte que plus je me prends des lumières mais vraiment éblouissantes dans les yeux, plus ça me défonce les yeux. Et ils en abusent trop dans la franchise, dans Destiny. Ils en abusent beaucoup trop. Ouais, je sais qu'il y en a à droite, mais il y a. Tant pas fait que j'aimerais dégager. Bon, pas tout de suite. Je vais attendre un peu. Il s'est planqué. Donc là, il attend que je sorte le nez pour venir me backstab pendant que je serai occupé à défendre. Ah non, il est là. Ah, mais là, je peux pas l'arracher là. Je vois juste sa tête et son boubou. Ah là-bas, par contre, il y a peut-être un jet à faire là. Ah oui, j'ai fait un strike. J'ai fait un strike à la grenade. T'es où toi? Ah c'est toi qui me fais chier là? Ah, il est ça. Ah, il me l'avait collé sur moi cet enfoiré. Hein. De toute façon que j'avais pris la grenade. Oh les champions du monde du lancer de grenade quoi. Bonjour. Ils sont tous là-bas. Vous je vais vous choper au sniper, n'inquiétez pas. Mais avant faut que je. La grenade. Ok, toi je t'ai vu. Au fond, vous perdez rien pour attendre. Mais avant, je clean les cafards qui sont devant. Là. Vous, je vais vous négocier après. Il y a personne là? C'est bon? Commencez à prendre des têtes? Ah non, il y en a encore qui veulent s'avancer un peu. Là. Tiens, prends ça toi. Ça, c'est gros. On va temporiser un peu là. On va laisser se vénérer un peu là, décharger les munitions. Puis quand il sera calmé, on va pouvoir y retourner un peu plus tranquille. Parce que là, ces pruneaux, ils font mal ceux-là. En plus de knockback, ils ont une sorte de splash damage, donc quand on est trop proche, ça fait très très mal. Alors, c'est toi là-bas. Hein. Ok. Toi. Je vais te prendre la tête, littéralement. T'es où, Choupinette? T'es là-bas. Tiens, prends-en une. Prends-en deux. Prends-en trois. Ok, je m'en vais. 4, 5, 6. Ok.
Smooth. Ah, c'est pour ça, j'ai bien fait d'avoir César. En fin de compte, j'avais arrêté, comme je vous dis, en fin de saison 12 ou début de saison 13 ou fin de saison 13, je ne sais plus trop. Et donc j'avais bien grindé l'extension de base, l'extension originale, mais la saison de la track, je ne l'avais pas trop faite. Les saisons derrière, je ne l'ai quasiment pas faite non plus. Mais du coup, j'avais les bons matos de l'extension principale, quoi. Et notamment ces armes de la crypte, donc du donjon de l'extension au-delà de la lumière, qui était quand même assez pété pour certaines. Ah, j'ai pas pris le crit. Ça crit pas, mais c'est pas grave. J'allais t'en parler, mon frère. C'est bon, t'as fini. Ah, tu te rapproches un peu là. Là, tu te dis. Je monte là. J'attaque. Ça m'arrange, comme ça je vais pouvoir me servir de ma principale. Okay. Deux? Ah, je l'ai raté. J'ai lancé juste devant. Il en restait quelques-uns, je crois. Je vais peut-être pouvoir les descendre. C'est pas les plus vénères. Tant que je me fais pas backstab, ça me va. Oh, Styli, non mais je te jure. C'est quand même des filous. Hein. Moi, t'es mune, c'est à des mune. Trouvez-moi cette console, j'activerai l'ascenseur. Ouais, mais avant, je me planque. Voilà, parce qu'il y a toujours des spawns. La règle avec Bungie. Quand tu triggers une step de mission, ils te remettent toujours une couche de spawn. Donc tu te mets en protection au calme, t'attends de nettoyer la vague, et après tire toi. Parce que ce sont des fouines, Bungie. Et tu le sais quand tu joues à leur jeu. Tu le sais. Hop, qu'est-ce que t'as fait, toi? Toi, tu t'es dit, c'est bon, je suis un flying cabal, quoi. N'importe quoi. Ah, tu vas prendre ma greu, toi. Ah oui, plaisir d'offrir. Je vais le recevoir. Il est où, ton copain? Ok, nice. Ombre et lumière. Combo intéressant. Où je dois aller, maintenant? Je dois activer ça. Roger ceci. Je suis capé en lourde. Ouais. Où? C'est quoi ces loot? C'est quoi ces putains de loot? Prends les loot, mec! Ne te pose pas de questions. Take the loot. Take the loot, man. Ah, c'est bon, ça. Là, j'ai passé une step de mission, j'ai l'impression. Je travaille dans la petite cabane, au calme, le temps de regarder mes loot. Alors, j'ai pécho, quoi, là. Ouais, ça me monte la puissance, mais bon, je vais pas infuser maintenant, hein. Ça sert à rien d'infuser, vu qu'on va monter, qu'on va exploser le niveau de lumière qu'on a actuellement. Donc là, je suis à 1363, ce que je vais garder pour plus tard. C'est quoi la dynamique des fluides d'Homolome?
Ce chargeur a une vitesse de rechargement et une stabilité améliorée pendant sa première moitié. Ok, d'accord. Ah ouais, ça peut être bon à prendre, ça. Bon, j'ai plus trop suivi les armes, mais j'attends de voir ce que va donner le système de crafting. Prends ça. Parce que je place beaucoup d'espoir dans ce système de crafting. Forcément. C'est quoi ce truc? Ok, ah ouais, non, ça je peux dégager, je m'en fous. J'avais quoi d'autre? Non, c'est bon, j'ai tout looté. Putain, je suis au max de thunes là. Je gagne pas de thunes. Faut que je dépense mes thunes. Lancez-vous sur le vaisseau de Savatoun. Ah, je suis comme ça. Bon, bah, on va faire ça, les gars. Et on va y aller comme un cas. Oh. On va y aller. J'ai mon super, au cas où, à toute fin utile. Il n'y a pas des trucs à looter, là. Ah, je vais peut-être rater des trucs à looter, là. Les cabales sont venus pour faire la guerre. Pas contre nous, mais contre Savatoun. Je me demande comment ils ont appris qu'elle serait ici. Je vais peut-être rater des petits trucs à looter sur les côtés, là. Oh, quoique, j'ai pas l'impression. Mais bon, j'irai regarder les vidéos des cracks, des secrets, qui trouveront les loot, les collectibles, s'il y a des collectibles. Comme à chaque extension, normalement. Mission renforcée, ok. Lancez-vous sur le vaisseau de Savatoun. Ah ouais, on y va cash en fait. Hein. On y va en mode vénère quoi sur la. J'ajuste hein. Très bien, le canon s'aligne. Il est temps de recharger, gardien. Ne vous inquiétez pas. Qui revient quoi? Quoi? Ah, je vais pas faire l'homme canon là! Je vais faire l'homme canon! Qu'est-ce que c'est que cette idée à la con encore? À ma connaissance, aucun gardien n'est jamais monté à bord du vaisseau des Savatoun. Soit elle nous invite à bord, soit sa rencontre avec la reine Marale a atteint au point de la rendre maladroite. J'espère que c'est la deuxième option. Ouais, parce que si j'ai bien suivi, on l'a libéré de l'emprise de son verre. Ah oui, non, je vais dans la. Ah oui, d'accord, je vais dans la chambre du canon en fait, quoi. J'y vais. Bon, bah, allons-y. Hein. Allons-y, bon. Maman, je veux pas mourir. Ah je vois ma maison. C'est bon, je suis vivant. Non, j'y vais pas tout de suite voir Savatoun. Là, j'attends un petit peu, là. Je m'en mets mes émotions tranquilles, là. Je regarde un peu la map, là. Qu'est-ce que c'est que cette zone, là? On peut jumper, là? On peut jumper, là. C'est quoi, ces trucs? Ouais, c'est juste le bout du vaisseau. Et on va pas affronter Savatoun dès le début, quand même, là. Cabale compris cher. Ikora, nous avons réussi à atteindre le vaisseau et nous voyons des traces de lumière abyssale. On dirait qu'un autre gardien est arrivé avant nous. C'est impossible. Nous avons peut-être agi trop à la hâte. Il y a trop de facteurs inconnus. Savatoun est la déesse de la ruse. Attendre que ses intentions soient claires, ça voudrait dire attendre très longtemps. Pas très longtemps. Juste assez pour fournir des renforts. Gardien, Iris et moi ne pouvons pas bouger. Si vous revenez maintenant, ça nous laissera le temps de nous préparer. Je ne crois pas que Savatoun nous laissera du temps libre. Ça pourrait être notre seule chance. Ne vous en faites pas, on s'en occupe. Soyez prudents.
Ok. Alors, en termes de dimension, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez joué à Destiny premier du nom, c'est pas le cuirassé de d'Oryx. Je pense que le cuirassé d'Oryx, il est hors concours, hors catégorie en termes de dimension, mais le vaisseau de Savatoon a l'air d'être pas mal quand même. Hein. Pour rappel, hein, c'est Savatoon, c'est une sœur d'Oryx dans le lore du jeu. Il y a aussi une autre sœur qui est Xibu Arat. Enfin, bref. Et Savatoon, c'est une des déesses, enfin des dieux de la ruche, donc, qui sont passés du côté des corrompus, qui sont passés dans le plan ascendant, et qui ont maintenant des pouvoirs qui dépassent juste le pouvoir sol de la ruche. Quoi. Ah, c'est pas mal, parce que du coup, au niveau de la DA, ils sont partis sur de la ruche lumineuse. Donc on avait vraiment les codes graphiques de la ruche, hein, avec toutes les structures un peu, pas insectoïdes, mais un peu gothiques et un peu à la alien, avec toutes ces pics, etc. Là. Mais on n'a pas le côté obscur et sombre de d'habitude, ou qu'on avait dans le cuirassé, avec le relais corrompu, notamment l'extension de Destiny 1. Donc là, on a vraiment quelque chose de lumineux. C'est bien pour mettre l'emphase sur le fait que bah, les corrompus, maintenant, ils maîtrisent le pouvoir de la lumière. Quoi. Donc c'est une lumière des ténèbres, certes, ça fait bizarre de dire ça, mais ils maîtrisent le pouvoir de la lumière. Et sur ces belles paroles, je vais aller me faire bouffer. Ah, hop, c'est quoi ça? Non, ça, c'est juste des impacts. C'est juste des impacts. Ok. Allons voir ce qui va se passer. À mon avis, je vais me faire botter les fesses. Hein, et puis, Savatoon va me dire vous n'êtes pas prêt. Elle va mettre une tape ou une cheat node. Et puis, bah, je vais me retrouver je sais pas où. Il va falloir la buter après dans la dernière mission. Donc, voici Savatoon. Je crois. Thèse de la ruse. Ouais, c'est marrant, il n'y a pas les verts habituels, les petits verts sur les surfaces, les petits trucs dégueulasses là, dans les vaisseaux de la rue généralement. Voici ouais, si, un petit peu quand même. Ah, ça fait un petit peu cuirassé quand même. Ça fait un petit peu cuirassé quand même. Oh, 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 oh. J'ai le droit de mourir là? Ah bah c'est peut-être là qu'il faut aller tout simplement. Ah bah oui c'était là qu'il fallait aller. Je vois le truc en contrebas, je me dis, hey, y a un truc là. Oui mais c'est là qu'il faut aller en vrai. Mais alors, je vais aller là avant. Non, il n'y a rien. Okay. Ouais si, ça rappelle quand même les codes du cuirassé quoi. Toutes ces structures-là, là, c'est une sorte de mur lacéré de je sais pas quoi, là. D'énergie. Une sorte d'énergie volcanique. Là. Ah, je suis dans les égouts, en fait. Je suis dans les trucs d'évacuation du vaisseau, en fait. Là. C'est ça. Hein. L'appât. Ça veut tout dire. C'est moi l'appât. C'est moi qui me fais appâter. C'est quoi ça? Bon, je vais me faire endormir. De toute façon, elle nous a endormi pendant toute une extension, Savatoon. Donc elle va nous endormir un petit peu plus encore. La déesse de la ruse, rappelez-vous. Elles sont un peu claquées. Les plantes, elles ont un peu eu peur. Ok. Ah, pas la bonne brûlure. Là, on se retrouve avec les gens de la ruche. Alors j'ai cru voir une sorte de bouclier bleu ciel là. Est-ce que ce serait ça leur force de la lumière? Il y avait un des acolytes là qui avait une sorte de... Ouais, je crois que j'ai un premier indice là.
crois que j'ai eu un premier indice là. On va fighter la lumière obscure. Enfin, la lumière du côté obscur. Ah, j'ai encore un fight, manifestement. Attends, je vais regarder juste comment le stream se passe bien. Allez, il faut que je refasse mon setup. Salut Betum, j'espère que tu vas bien. Moi, ça se passe très bien, ça se passe tranquillement, comme tu le vois, sur Destiny 2. L'arrivée de l'extension. La reine sorcière. Voilà, ça va fighter, là. Et donc, je fais la mission principale en difficulté légende. Donc une difficulté un peu supérieure, enfin bien supérieure à la difficulté de la campagne normale, la campagne classique. Et apparemment à la clé on a de très bons loot. Donc je sais pas si ça vaut le coup de le faire dès le début ou s'il faut déjà faire un premier run de la campagne en normal et après revenir en légende pour récupérer des loot de puissance supérieure, je ne sais pas. Mais je voulais essayer comme ça pour le challenge. Je voulais le faire directement en niveau légende, même si je suis stuffé comme un crapaud. Ça sent le fight là, ça sent le fight. Donc je vais pouvoir me balader entre là. Ok, je peux me mettre par ici. Il va y avoir du spawn par là manifestement. Il y a du spawn là-bas. Ah oui, il y a une sorte de lumière effectivement. Alors les trals par contre, les trals. Ils ont des attaques de mêlée cryo qui font super mal. Donc, si je peux éviter, voilà. Je vais faire arriver à la queue leu-leu, comme aurait dit Bézu. Voilà la référence de Bézu. Si vous la trouvez, vous avez mon respect éternel. Parce que à la queue leu-leu de Bézu, c'est quand même quelque chose. C'était quoi la brûlure des chevaliers là? C'est bon, je suis dans la brûlure cryo, c'est tout bon. Par contre, c'est des acolytes tout à l'heure, il y en avait un qui avait une sorte de lumière là, de shield de lumière là. Toi, je vais te pécho, toi, vas-y, envoie tes boulettes là. Ah putain, je vais prendre la tête. Je te dis que j'allais prendre la tête. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre de beau là-bas? Là-bas, j'en ai vu un. Là, ouais. Donc, là, je vais te choper. Je vais les prendre un par un pour pas trop m'exposer. Hop là. Stocker de la lumière là. Ouais, stocker de la lumière. Ah, raté. J'ai jeté au mauvais moment. T'es mort. Ouais, arrête-toi avec tes grenades là. Alors toi, on t'a mis quoi toi? Ouais, on t'avait mis un shield en vrai, ok. Je préfère les finir en one shot dès qu'ils ont plus leur shield les chevaliers parce que leur lance-patate il fait super mal. Et surtout à ce niveau de difficulté là, même si on n'est pas en difficulté grand tribu. Qu'est-ce donc, tribu? Ah, donc je loot un tribu et on me dit tribu récupéré 0 sur 5. Ah, il faut les... J'ai un fardeau de tribu, c'est intéressant ça. Alors, je sais pas ce que ça fait, mais j'ai un fardeau de tribu. Donc, il faut aller les dropper là-bas. D'accord. Ah oui, le mec serait là, en fait. C'est cette merde... Ah, putain de sa mère! Pardon. Il faut fumer son spectre. Il faut fumer son spectre. Il faut fumer son spectre. Excellent. Excellent. Donc il crève. Et derrière, il faut fumer le spectre. Ok. Ah ouais, ça rigole plus là, la ruche là. Hein. Ça rigole plus là. Ah oui, donc je vais poser une première fois, je vais avoir une deuxième vague, je vais poser une deuxième fois, deuxième vague, etc. Rinse and repeat. Voilà, ok, bon. Je vais retourner là-bas, peut-être.
J'ai vu que j'avais des mules lourdes. Ah non, c'est fermé maintenant. Donc, je vais quand même aller par là parce que j'aime bien cette zone. Qu'est-ce que c'était ça? Mon lance-patate, il est feu. Ok. Mon lance-patate. Ma sulfateuse, pardon. Toi, écoute, mec. Il est où votre pote, là? Ouais, le gros, là. Lance-patate, t'es là, toi. T'as un spectre? T'as pas de spectre? Tu mérites de mourir. Je vais prendre ta tête. Ah, j'ai pas pris ta tête? Ah si, j'ai pris ta tête pourtant. Non, t'as pas eu le temps. Je te demande de t'arrêter. Ah oui, mais d'accord, il faut la prendre. Ah ok. Parce que tu peux pas en prendre plusieurs à la fois. What? Catalyseur? J'avais pas ça. Ok, j'ai pécho un catalyseur. C'est peut-être ça dont il parlait quand il parle des exos. On peut peut-être choper les catalyseurs des armes aussi, dans ce mode de difficulté-là. Plus facilement, peut-être. C'est peut-être aussi à ça que ça sert de jouer dans ce mode de difficulté. Pas mal. Je vais recharger mes munes. Non, c'est bon, ça va encore. Allez, et je cours, et bonjour. Alors, t'es qui, toi? Vivons-nous en paix! Ah ok, t'as un shield. Toi écoute, hein, tu t'offres à moi, donc j'accepte ton offrande. Et je cours. Oui, et je cours encore. Oui, non, ne t'énerve pas. C'est quoi, brûlure solaire? Allez, au pif solaire. Ouais, on vous connaît, les prêtresses. Hein. Ouh, j'ai pris cher, par contre. What? Tu ne mets pas mon shield, papa? Ah ouais, non, c'est pas cool. Je suis mort deux fois. Tu m'as pas mis mon shield. Bon bah c'est reparti pour cette phase. Hein. J'étais en train de négocier la première prêtresse. Et je me suis mangé la deuxième sur le côté. J'ai voulu mettre mon shield, il a rechargé. J'ai pas compris pourquoi. Ouais, peu importe. Il y a eu un petit raté de dégâts. On va se calmer deux secondes là. Allez, on va se détendre deux secondes. Voilà, on va se... Qu'est-ce que tu fais là, toi? De cloporte. Mais c'est vrai. Bon, faut rester méthodique, hein. C'est dans ces moments-là où on a envie de se précipiter et il faut pas. Ouais, ils attendent vraiment, c'est crevard. Raté. C'est bon, j'ai eu. C'est là qu'il faut pas se précipiter en fait. C'est quand on se précipite qu'on commence à faire de la merde. Il faut surtout pas. Par contre, à la troisième phase, j'avais les prêtresses, donc ça veut dire que la quatrième, je vais certainement avoir un ogre, ou la cinquième, je vais certainement avoir un ogre. Donc je garderai mon super quand même pour la phase avec l'ogre. On est dans la ruche. Ah oui, puis il y a un timer, bien sûr. Ah oui, faut se speeder quand même. Eh oui, faut pas traîner. Mon ami. Ah, comment il se barre? Salopard! Salaud! Il se barre, le salaud. La lumière, quand... Ah putain, alors ça m'a toujours... Ça m'a toujours gavé, par contre, ça. T'as une marche qui fait 5 cm de haut...
et tu butes sur la marche qui fait 5 cm de haut. Ça, faut qu'il revoie un moment quand même, les amis, là. Messieurs des Bungie, là. Raté. T'es bon. La merde. Ah bon? Ok. Ah putain, il remet son shield. T'es scripté, mec, là. C'est relou, là. Tu m'aurais fait la même depuis tout à l'heure, là. Après, j'ai vraiment pas de... comment dire... de modificateur, pour l'instant. J'ai même pas le... l'artefact de saison. Donc c'est clair que je suis vraiment pas stuffé, pas optimisé pour ces missions-là. Pourquoi t'es là, toi? Pourquoi tu fais chier, toi? Je t'ai rien demandé, sérieux. Si j'avais, par exemple, le mode, enfin, en tout cas, l'artefact qui permettait de tirer à travers les barrières, ça m'aiderait pas mal sur cette phase. Avec les chevaliers qui se shieldent à un moment, là, c'est bien casse-bonbec. Je peux en mettre deux d'un coup. Je vais tester, hein, même si... Ah non, oui, ça aurait été trop beau. Ok. Alors là, je fais spawner des niveaux. Donc là, il y a les sorcières. Ok. Donc, je vais aller me mettre loin, loin, loin. Alors, si je me mets là, je me mets en feu, je mets mon bouclier cette fois, merci. Ça vous travaille, il n'y aura pas m'enfler l'autre. Voilà, je vais en calmer une. Donc, je vais attendre un peu. Ok. Ah, j'ai pris la tête, mais pas assez. Si, c'est bon, elle est morte. Allez, je vais aller prendre mon dû. Je pense pas qu'il disparaisse quand je l'ai porté. Donc faut juste le récupérer avant qu'il disparaisse. Après je clean un petit peu. Ouais d'accord, la brûlure, sympa. Merci les gars. Toi je vais t'attraper mec, t'inquiète. T'inquiète, je vais t'attraper avec ta lumière de merde là. T'as plus de lumière. C'est terminé. Crevard la colle. Je vous aurai à l'usure les gars. Vous savez pas encore. J'ai plein de munis. Ouais, crame pas tes munes spéciales là pour ça, là. Ça sert à rien là, mon pote. Là. Va les défoncer au calme là. Ah, le tribu disparaît sur moi. Ah oui, le tribu disparaît sur moi apparemment, hein. Fuck it. Ah oui, je crois que le tribu est en train de disparaître sur moi. J'ai pété mon super parce que j'étais en la merde et il fallait que j'aille dropper. Mais du coup, apparemment, même quand tu as le tribu sur toi, eh bien, tu as un certain temps pour aller le poser, apparemment. Parce que là, il commence à disparaître, il était clignotant. Hein. Oui, il y en a là-bas. Ah, ah merde. Eh ben, respawn, bah oui. Ça va, elle est pas trop grosse. Et toi, je vais te saucer, mon pote, là. Non, c'est pas la bonne arme. Ouais, ta lumière, dégage, connard. Par contre, là, j'ai pas de super. Ouais.
Elle s'aloute là. Elle s'aloute là. C'est bon ça. Ah oui, donc ça doit être ça en fait. On doit avoir deux coffres plutôt qu'un quand on fait cette difficulté de légende. C'est bon ça. C'est bon ça. Alors vas-y, fais voir. Qu'est-ce que tu m'as envoyé là? De la merde, bien sûr, mais c'est surtout le niveau de puissance qui m'intéresse. Donc, ça, c'est bon ça. Qu'est-ce donc ça? Fusil d'éclaireur. Ouais, alors je sais pas si les fusils, enfin si les armes qu'on loot, elles ont des perks spéciales quand on les a en légende. Ça, par contre, on n'est pas la main. Alors, armement lourd à queue. Cette arme inflige des dégâts, plus de dégâts contre les véhicules. Ah, c'est bien ça. Je vais la garder à tout hasard. Qu'est-ce qu'a fait l'autre? Fureur concentré, inflige des dégâts de précision avec la moitié du chargeur, donne un bonus de dégâts à cette arme. Okay. Compteur de tir se réinitialise, déclare mais rechargé. Ravitailleur compulsif, bon, ça c'est du classique. Là, une bonne portée là. Ah, en plus, j'ai un chargeur qui augmente un petit peu le maniement, le rechargement de la stabilité. Ça, ça me plaît. Et ça, un peu plus le maniement. Enfin, la stabilité. Là, par contre, ça contrôle peut-être moins bien le recul. Bon, on verra. Je vais pas la tester tout de suite, cette arme. Et là, j'ai un peu de la merde, ça, par contre. Ok. Voilà. Est-ce que je peux l'infuser là-dedans? Est-ce que ça vaut le coup de l'infuser, honnêtement? Ah oui, puis là, c'est du module d'amélioration. Donc, hein, je vais pas taper là-dedans. Niette. Ok. André Bézu. C'est ça, Béton. Merci. Merci d'avoir souligné et marqué cette référence. Ah, on peut peut-être retrouver des vidéos sur YouTube. Hein. Bon, là, c'est toujours le moment de tristesse. Hein, ces phases de début d'extension, de début de saison où bah, tout le stuff qu'on avait avant, on peut le mettre à la poubelle quasiment. Parce que bah, voilà, on prend de la lumière et on monte très vite au-delà du niveau max qu'on avait les saisons précédentes. Quoi. Ah oui, et la progression du rang d'armurier, vous le voyez, ça c'est important. Par contre, je vois que ma webcam, elle est peut-être pas forcément la mieux placée. Où est-ce que je peux mettre ça? Oh, quoi que si, dans l'écran de jeu, ça va. C'est juste dans les menus où elle est un peu mal placée. Bon, peu importe. Mais comme vous avez vu, à un moment, j'ai fait un démantèlement d'armes. Et, enfin, d'armure. Et ça nous fait gagner de l'XP maintenant, ça, auprès de Banshee 44. Donc l'armurier à la cité. Utiliser du tout. Le voyageur ne lui accorderait jamais ce pouvoir. Pas volontairement, en tout cas. Ça n'a aucun sens. Nous devons trouver ça là-dedans. Ok. Ça m'étonne que j'ai affronté Sabatoum tout de suite. À mon avis, elle va me regarder, elle va me face palm, et puis ça va s'arrêter là, quoi. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, d'accord. Bouge pas, j'arrive. Oui, oui. Je sais. Balance ton lance-patate. Les boomers. Ah, tu peux faire ça? Ah, ok, intéressant. C'est très intéressant ce que tu proposes. L'enfoiré. Ah, comment il m'a esquive, comment il m'a trick, quoi. Ah, mais cette fouinasse. Déjà, il arrive à côté de moi, il me dit, hey, mec, je vais venir te chercher. Et en plus, quand je lui balance la greu, il me fait un dodge et il me dit nope, nope. Crevard, je vais me défoncer. Ah, mais je t'aurai à l'usure, enfin, je vous aurai à l'usure. Vas-y, viens là, viens, je t'attends là. Saute là sur ma plateforme, là. Vas-y, je t'attends là. Ouais, c'est ça, ouais, tu viens plus maintenant. Hein. Ah, si tu viens. Le coquin. Non, bah t'es mort. Fallait pas venir. Ah, c'est là où il me faudrait. Transperce. Ouais, tu commences à être casse-burette, toi. Arrête-toi. Alors.
Ah, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Je peux pas monter là-dessus, là ? Si. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Je sais pas ce que c'est que ce truc-là. Je vais me faire cramer, là. C'est quoi, ce truc ? C'est des ruches de la lumière ? J'ai pas mon super, là. Tiens, prends ça, toi. Si je peux vous allumer, là. Aïe ! Non, moi, je veux défoncer les trales, là, avant, là. Ah, merde, ils sont barrés. Okay. Il est pas revenir, là ? Tu vas aller où, là, du coup ? Tu vas aller par là. D'accord. Ah, bon, on va aller par là. C'était une grenade. C'est une grenade ou c'est un... Ou c'est un spectre ? Je pense que c'est ça. C'est quoi ? Vite attaquons si vous ne les abattez pas, gardien. Ils appellent ça des mythes ? Donc les... D'accord. Non, c'est pas là que tu veux aller ? C'est pas là non plus. Si, ça a l'air d'être par là. Donc nous, on a des spectres et eux, ils ont des mythes. D'accord. Et c'est ça qui les réanime, non ? Enfin, qui les ranime. Saleté. Ouais, ça pue. Dans les menus, la webcam est mal placée, si tu peux la mettre plus haut. Ouais, mais en fin de compte, dans les menus, on voit pas grand-chose avec la webcam, mais j'ai un autre setup là qui est comme ça, et si je me mets comme ça, je crois que... Ouais, non, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Faut juste que je pousse mon... Peut-être que je pousse mon curseur un peu plus quand je suis dans les menus. Parce que là, si je la descends, ouais, que je la mette à un endroit ou à un autre, de toute façon, à mon avis, elle sera pas très bien placée, j'ai l'impression. Il faudrait que je la mette par là, que je mette ma tête en dessous. Mais si je mets ma tête en dessous... Si, ouais, ça peut être pas mal. Tiens, bah, pour les prochaines fois, j'essaierai de faire un setup avec la webcam centrale, mais en bas. On verra ce que ça donne. Pas ça. T'es quoi t'as ? J'aime pas ça. Là, non mais j'aime pas ça. On va y... Je vais y aller et il va se passer un truc. On va me dire vas-y, maintenant faut combattre. Bon, allez, quand faut y aller de toute façon. Examine la statuette. Ah ouais, mais vous me prenez pour un débile quoi. Ça va fighter. J'annonce déjà que ça va fighter. Cette statue ne fait pas penser à la ruche. Je n'ai jamais rien vu d'elle. C'est quoi cette statue ? C'est quoi cette statue ? Les jambes d'un gars. Non mais je vais trigger quoi là ? On dirait la technologie des pyramides. Qu'est-ce que ça fait sur le vaisseau de Saratou ? On devrait rapporter ça.
ça, Ico. Ouais, mais à mon avis, voilà. À mon avis, je vais pas le ramener comme ça, tout seul, tranquille, quoi. On va le ramener sans un petit fight des familles, là, au fond, là. Va si je te défonce ta mythe là. C'est des mythes, espèce de mythe. Ah, le voilà, le gros. Moi, je t'ai pas laissé le temps de faire des choses sales. Les angles un peu improbables, mais c'est volontaire, hein. Pour pas me faire enfler là par ces rascasses là. Toi, t'es là ou quoi? Ah, c'est ça. Tiens, elle est où ta lumière? Ta mythe là. Tête de mythe. C'est quoi ça? Ah, les engrammes de l'Umbra. Très bien. Je sais pas ce que ça va me donner, mais très bien. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais... Bon, hé. Hey. C'est bon, là, ça suffit. Là. Ok. Ok. En haut à gauche, ça serait pas mal. Fais voir. En haut à gauche. Quand je fais ça. Ouais, ce sera peut-être à tester. Et encore que il y a mon rang là-haut, là, tout là-haut, je sais pas. Je serais plus partant pour la mettre au milieu, en bas. Mais je testerai. Ouais, je testerai de plusieurs layouts. Enfin, plusieurs overlays. Oh, je suis très haut. Bonjour. Je viens en paix. T'es qui toi? J'aime pas trop les couloirs comme ça parce qu'on n'a pas trop de marge de manœuvre en vrai. Ouais, tu vas calmer le chevalier là. Et voilà, c'est ça que tu vas faire. J'étais bien senti de rester en brûlure cryoélectrique. Hein. Bah c'est souvent ça. La ruche, c'est brûlure solaire, brûlure cryoélectrique pour les shields. Enfin, généralement. Après, manifestement, il y a aussi des brûlures void maintenant. Alors, toi, tu me tournes autour. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est sa boulette qui m'a fait ces dégâts-là. T'as compris, là. Ah, toi, tu vas me gonfler. C'est lui qui m'a fait ces dégâts de fou, là. Toi, t'es insignifiant. Je te défonce. Ah ouais, je prends quand même des grosses secousses. Hein. Ah ouais, mais parce que t'as le temps de mancher là-bas, là. Rappel. C'est quand même pas mal d'avoir ce sniper, là, que j'avais gardé. Ce sniper de raid, qui m'aide beaucoup. Bon, les autres se sont planqués, bien sûr. Mais à la rigueur, c'est pas grave. On va les négocier sur place. Ah non, ils sont partis. Okay.
J'ai failli avaler ma salive. La première mission est quand même assez longue, hein, je trouve. Pardon. Après, j'y vais vraiment mollo. Donc il y a ça aussi. Apparemment, Sabaton essaierait de capturer de la lumière abyssale sur les gardiens morts. Ça pourrait être lié. Peut-être qu'elle étudie l'abysse depuis tout ce temps. Est-ce qu'elle aurait fait comme ça? Je sais pas s'il faut y aller. Apparemment, il faut y aller. Pas trop ce que c'est ça. Apparemment, faut que j'aille fighter à l'intérieur là. Allons-y. Allez, go go go. Ah, c'est joli. Ça c'est moins joli par contre, c'est un peu dégueu ça. Une sorte d'œil de Sauron multiple. Pour une mission d'intro, c'est quand même assez. Enfin j'aime bien. Je trouve ça pas mal parce que elle est quand même assez longue et puis le fait de la jouer en difficulté costaud, bah ça. Allonge la durée de la mission, tout à fait. Puis ça donne un petit peu plus de challenge parce qu'on a plus de risques et on a plus de rewards. Vous avez vu, à chaque fois là qu'on passe une step de mission, on a deux coffres plutôt qu'un. Et apparemment, ce qu'on récupère à l'intérieur, c'est mieux que dans la campagne principale, enfin la campagne normale. J'ai récupéré un catalyseur d'armes, donc ça, je sais pas si c'est un coup de bol ou si c'est vraiment quelque chose. Qui est lié au fait de faire la mission dans cette difficulté là. Oh c'est joli, putain, c'est joli. Alors il y a Sabaton là par contre. Hein. Dépêchons-nous de quoi? Non mais dépêchons-nous de quoi? Mais dépêchons-nous de quoi? Tu veux quoi? J'y vais avec mon flingue de mouche là. Je viens avec toi et Sabaton. T'as rêvé mon pote là. Ah, c'est joli. Ce côté ruche lumineuse, c'est vraiment super joli, je trouve. Ah, ils ont trouvé un truc, là. Ah, ce côté ruche lumineuse est vraiment bien fait. Ouais, elle est passée dans le plan astral, bien sûr. C'est super bien fait. Il fallait y penser, c'est pas extrêmement original, mais il fallait penser à allier les deux styles. Parce que du coup, comme vous disiez tout à l'heure, là, on rentre dans les espaces de la ruche, des corrompus, et puis en fin de compte, c'est lumineux, un peu avec les codes couleurs qu'on avait sur Mars aussi, ce rouge-là, avec les plantes rouges. Beaucoup de lumière, donc de lumière chaude, du coup. C'est pas des lumières bleuâtres, noires, etc. quoi. Donc ouais, c'est pas mal. Là on est. Ouais, c'est le point de contrôle de son vaisseau à mon avis. C'est vraiment joli, je trouve. Enfin, c'est un style, voilà. C'est peut-être pas aussi classieux que d'autres environnements. Moi j'aime beaucoup les environnements Vex dans Destiny. Mais et ruche pas tant que ça, en fait, en vrai. Et là, du coup, j'aime mieux la ruche, là, d'un coup d'un seul. T'es qui, toi? Chevalier, porteur de lumière. Ok, d'accord. Donc, toi, il va falloir te combattre, hein, c'est ça. T'es super vénère. Ah ouais? Ah, tu fais liquide comme ça. Ah, tu me fais la totale, là. Tu me fais la Captain America, tu fais tout, là. Ah ouais! Ah, tu rigoles moyennement, toi, en fait. Ok.
Eh ben, on va jouer alors. Ouais. Me la remettre là. Elle est où ta lumière, bâtard? Impossible. Qu'est-ce que c'est? Spectre? Je ne peux pas le croire. Approchez-vous, gardien. Je dois voir. Ah non, j'ai pas pu le tuer. Bon. Deuxième manche. Écoute, moi je peux faire ça toute la journée, hein, comme dirait un certain capitaine. Ah putain, ouais, son shield par contre il découpe. Hein. Pardon. Je t'en mets une petite vite fait. Je suis pas sûr que ce soit un spectre, bro. Encore ? Putain, mais. Il en a combien? Une quasi-ouest avec ses shields là. Il m'envoie des grenades de suppression tout la totale. Il est en mode Fonzy. Ah oui, puis l'air d'effet de sa grenade. Au calme. Il aime la life, quoi. Ah, ok, il laisse repartir avec son shield, elle a mordu le bec, là. Ah, t'as le droit d'envoyer ton shield là-bas, mec, hein. Oula, 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 qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce qu'il fait? Ah! Mais il est où son spectre? Je vois pas où il est son spectre. Cette chose n'est pas comme moi. Ça se voit, non? Tu dégages! Charge tout au cas où. What? Putain, encore. Encore du fight. Ouais, ton papa, toi. Dégage, toi. Oh, vous commencez à me chauffer, vous. Ah oui, d'accord, ok. Ah, ils sont super vénères. Et tu vas au contact, ils te défoncent. Ok, très bien. Ils me remettent où? Ouais, ça va. C'est quoi, ouais. Je vais me mettre dans un coin pépère. Où est-ce que je peux aller là? Ah, c'est ça. Laissez-moi passer. Voilà, par là, ça peut être pas mal. Je vais poser le shield là. Voilà.
attendre que le Kral rentre dans le chip comme des teubés. Voilà. Je vais négocier vite fait. Voilà aussi. Ne cherche pas. Ah, t'es là toi? Ah oui, ok, d'accord. Ok, je m'en vais. Non, mauvais choix. Je vais le prendre, vous énervez pas, mais il faut que je négocie ces enfumés avant là. Voilà, dégage. Eh oui, ils font des brûlures, n'oublie pas. Ne passe pas dans les cadavres parce qu'ils te brûlent. Espèce de débile. J'ai un super, je vais le garder au chaud pour l'instant. Oh putain, je suis peut-être pas au bon endroit. Hein. C'est pas la bonne brûlure. Et oui, il y a des explosifs sur le côté. C'est bon, je me barre. Elle est où? Ok. Ah oui, je sais qu'elle est par là, la demoiselle. Là, mais... Pour l'instant, j'ai piscine. Négocier les trales explosifs. Ah, je suis généreux, hein. Je tire n'importe où, mais c'est généreux. Putain, qui c'est qui me tire dessus là? C'est toi l'enfumé qui me tire dessus là? Je vais aller prendre le cristal parce que. Enfin, le moat. Ça s'appelle ça les moats. Ah oui, bien joué! GG! Superbe la recharge, le meilleur des moments! Vas-y, monte ta tête, toi! Super. Oh, je crois que j'ai entendu un gros truc. Ah oui, c'est pas je crois. Ils sont combien? Putain, mais toi, t'es une vermine, toi. Monte ta tête, là. Immune. Tu dégages. Crevard. Non, j'y vais, je suis pas là. Je suis pas là. C'est une étape encore. Je loot. Je loot tout. C'est quoi ça? Ah, ok, bien, je prends. Bon, les lumens, ça sert à rien, je suis au max. Oh, puis c'est du plus 10, enfin, c'est... Ça monte rapidement à chaque fois. Ouais, je progresse dans l'armurier. Pendant...
truc de l'armurier. C'est du bleu, mais c'est du bleu solide. 76. Ah ouais, la merde, par contre, j'ai commencé à être un petit peu ric-rac là. Je sais pas si DIM fonctionne. Je vais regarder vite fait. Destiny Item Manager. Ah non, je peux peut-être aller regarder ça sur. Sur ma tablette. DIM. Est-ce que DIM fonctionne? Parce que là, on vient de faire une mise à jour. Mais. Mon avis. Je vais pas pouvoir m'en servir. Ah si, je peux me servir de ça, tu vois. Si je fais ça. Ouais, si c'est bon, je peux transférer. DIM marche, génial. Je crois. Yes, ok. Je peux faire un peu de nettoyage dans l'inventaire. À la volée, ça c'est pas mal. Cool. Alors, bah, allons voir ça va tout là maintenant. Hein. Putain, la mission, elle fait 3 heures quoi. Ah, cinématique, je vais couper le micro. Le micro, que se passe-t-il? Les aspects sont équipés dans votre menu doctrine. Inspectez votre doctrine active en appuyant sur triangle. Ouais. Et après? Donc là, normalement, tu devrais passer à la step d'après, me dire voilà les aspects. Non, oui. Ah. Alors, on se retrouve face à un truc où on ne sait pas ce qui se passe. C'est peut-être pour la Void. Que c'est la Void qui a des aspects. Ah ouais, mais fallait le dire, mec. Fallait dire qu'il fallait passer sur la doctrine Void. Eh oui, équipez votre nouvel aspect pour modifier vos compétences de doctrine. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais au tout début du stream, c'est-à-dire que on va se retrouver avec la compétence abyssale, la doctrine abyssale de chacun des gardiens, titan, arcaniste, chasseur, avec la même configuration que la stase qu'on avait débloquée. Donc dans l'extension précédente. Et donc maintenant, on va avoir des aspects, des fragments qu'on va pouvoir équiper sur la doctrine Void de chacune des classes. Et donc, chacun des aspects a différents effets. Donc, je vais regarder tranquillement. Donc là, j'en ai qu'un. Donc ça, c'est le truc de base. Emplacement de fragments. Démolition contrôlée, les graines de l'inconnu qui font pousser une absence béante. Soutenez vos alliés en détruisant tous ceux qui s'opposent à vous. Touchez une cible avec une compétence abyssale ou une explosion volatile la rend volatile. Okay. De nouveaux dégâts sur une cible volatile la font exploser. Si vous allez exploser près de vous, vous et vos alliés proches regagnez de la santé, c'est pas mal ça. Dilatation de l'espace, donc rempart offensif, c'est-à-dire sans l'espace avant manipuler le rythme des compétences abyssales, forcez votre attaque pour profiter doublement de cet avantage. Si vous avez un surbouclier,
ou que vous êtes dans un rempart d'aurore, ouais, donc la bidule, votre grenade se recharge des fois plus vite. La portée et les dégâts de votre attaque de mêlée augmentent, ben ça c'est pas mal avec la portée de T-Rex, enfin de bras de T-Rex du Titan. Et vos frappes de mêlée allongent la durée de votre surbouclier. Vous gagnez un lancer de bouclier supplémentaire quand vous êtes en bouclier de sentinelle. Ok, donc là tu as plus de boucliers. Si tu as un surbouclier, ça te permet de recharger plus vite tes capacités. Ok. Et là, c'est quoi? Bastion. À chaque fois, il y a plusieurs emplacements de fragments. Ok, là, j'en ai qu'un. Utilisez votre super pour octroyer un surbouclier aux alliés proches. Ouais, votre barricade octroie un surbouclier à vous, à vos alliés proches. La renforce en lui permettant de régénérer lentement le surbouclier des alliés cachés derrière, augmenter la durée de leur surbouclier. Ah, c'est pas mal aussi, ça. C'est pas mal aussi, ça. J'hésite entre deux défensives, donc celle-ci, le rempart offensif et le bastion. J'ai vraiment, j'aurais plutôt tendance à dire le bastion pour être ultra sécurisé. Je vais partir là-dessus, on va voir. Puis après, il y a les fragments que je pourrais équiper. Équiper votre nouvel aspect, oui, pour modifier les compétences doctrine, ça c'est fait. Donc qu'est-ce que tu veux maintenant? Doubler à chaque fois la même chose? Ah non, mais je peux pas doubler. Ok. Fragment s'équipe dans votre aspecté. Putain, le tuto il est un peu fait avec les yep. Hein. Putain. Ok. Équiper le fragment, bah, je viens de le faire déjà et tu me remets là-dessus. Donc. Emplacement de fragments pour modifier au compétence des aspects ouvre des emplacements de fragments quand ils sont oui alors voilà donc oh j'ai équipé ça tout à l'heure c'est étonnant oh bah je vais le refaire alors parce que voilà hein. C'est bon. Doctrine de lumière. Comme tous les gardiens vous accédez désormais à tout le potentiel inexploité de la lumière. Que veux-tu dire? Vous pourrez votre inventaire respecter votre doctrine. Eh, il est fait avec les pieds, le tuto, là. Ouais. Changer ton type de grenade. Ah non, tu peux pas changer ton type de grenade. Si. Si, oui, non. La magnétique, j'aime bien. Ok. Alors, bon, désolé, mes remarques, mais en fait, on te voit avec une grosse bannière rouge, les offres d'abonnement, blabla, en plein milieu du visage. Je ne vois pas trop de quoi tu parles. Je vais regarder sur mon stream. Les offres d'abonnement de Bungie sont en ligne. Bah, tu peux peut-être le désactiver, ça, non? Je sais pas trop. Ou c'est à moi de le désactiver, peut-être? Est-ce que c'est à moi de désactiver ça? Ah non, ça, c'est mon module... oui, d'accord, ça, c'est mon module... module Destiny 2. Bon, ce qu'il faudrait que je fasse... potentiellement ce serait que je fasse un truc dans ce style, bouge pas. Là j'ai raté tout ça. Je verrai, hein, j'y vais en mode on teste, on verra après. Je ne sais pas où est le centre par contre. Hein. Donc, j'y vais un peu à la louche. Ok. On verra par la suite.
Je remettrai un peu ce que font les streamers sur sur Destiny. Ressemble pas à un monde du trône de la ruche. Donc là, comme vous l'avez vu, à l'image de ce qui se fait sur la stase, donc là, vous voyez, sur la stase, il y a aussi le même principe que j'avais très peu développé. Comme je vous ai dit, j'ai fait que la première saison avec l'extension. Donc je ne suis pas allé très loin dans mes pouvoirs de la stase, mais de la même façon qu'on pouvait équiper de fragments et d'aspects la doctrine de la stase, maintenant on peut aussi le faire avec la doctrine abyssale sur toutes les classes. Donc sous-entendu, à terme, il y a de fortes chances que ça arrive pour la doctrine cryoélectrique et pour la doctrine solaire. Donc ils mettent les couches d'upgrade des doctrines petit à petit. Et donc, comme vous disiez tout à l'heure, cette DA qu'ils ont choisie pour tous les environnements liés à Savatum, donc qu'on peut qualifier de ruche lumineuse, et bien c'est super joli. Je trouve ça super joli. Il y a un petit côté jardin du salut. Oui, on a un peu ces codes de Mars, donc ces codes rouges de Mars. Jardin du salut et tout ça dans des structures qui sont vraiment gothiques, liées un peu au design de la ruche, quoi. Oui, et toi tu m'arroses depuis tout à l'heure parce que tu veux mon corps, donc on va régler ça, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ton cas là, espèce de crapaud. Ok. C'est toi qui as une lumière, c'est ça? Non, t'as pas de lumière toi. Je trouve ça vraiment très joli en vrai. Alors toi aussi t'es là. Okay. Il y a trop de crevards qui m'embouchent là quand je suis en train de viser un autre endroit. Là. Ça, c'est vraiment typique de l'IA de Destiny. C'est vraiment des chacals. Alors, je vais venir te chercher. Là. Arrête de cavaler là. C'est bon. Moi aussi, je peux vous donner de l'amour là. Ça va plus. En fait, tu viens là. Ok. Ah ouais, non mais. Précision absolue, c'est redoutable à chaque fois. Mais il n'est pas tout seul, forcément. Ouais, ta lumière. T'es quoi toi? Ok, toi t'es un peu vénère, donc on va la jouer soft. On va la jouer soft avec toi. Termite. Elle est où ta lumière? Ta mythe là. What? C'est quand elle explose tout près de moi ça? Ça doit être quand elle explose tout près de moi. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Fouiller le monde du trône de Savatum pour la trouver. Ok. Ok. Je vais faire ça. Très cher invité. C'est elle. Comment avez-vous fait?
Ok. Allez, salut The Quest. Enfin, Yarn. J'espère que tu vas bien, camarade. Comme tu vois, je suis en train de découvrir l'extension Witch Queen. Et dans le fameux nouveau mode de difficulté, les gens là, qui picotent bien. Parce que j'ai quand même du stuff de la mouette. J'ai vraiment un stuff de merde, mais... Ouais, non, mais... On n'affronte pas Sabaton tout de suite. C'est un fake. Là. Regardez dans le miroir et tuez ce qui vous renvoie à votre regard. Évidemment que c'est un fake. Alors, descends où les potes là? T'es qui toi? Moi je vous attends tous là. Allez, venez me chercher là. Je suis chez moi, je bouge pas. T'es qui toi? Ok, d'accord. Toujours des boomers hein, qui sont là pour te casser les mutes. Hein. Alors attention. Ouais. T'avais une lumière? T'avais pas de lumière. Dégage. Y'a l'autre boomer dans le coin là. J'aime bien les mettre en hauteur, les boomers, à chaque fois. C'est fouinasse, là. J'en ai vu un à droite. Je sais qu'il y en a à droite. Là, il est planqué. Il attend que j'approche et que je me mette là, dans cette zone-là, pour m'asmater, là. Ou alors que je tire ailleurs. Voilà. Je t'attendais. Tiens, je vais donner une grenade. Ah, lui a pas fait tant de dégâts que ça, honnêtement. Un peu déçu. Je crois que j'ai défoncé sa lumière. Ah non, 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 j'avais pas défoncé sa lumière. Là, j'ai défoncé la lumière. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? What? Ok, vous arrivez par là. Fine. Il y a les crevards toujours là, qui viennent en backstab. Ça c'est normal. Les trals, c'est du backstab. Ah, ils sont toujours là pour venir vous mettre le coup dans le dos là. Le backstab. Ils sont nés backstab de toute façon. Ah non, mais je suis là maintenant par contre. Mon ami. Non mais. Ah, l'IA elle est chelou parfois par contre. Le mec il tirait à l'endroit où j'étais il y a 2 minutes quoi. Ok. Je n'ai pas de problème avec ça. T'as une lumière là? Ouais, t'as une lumière. Oh, comment ils font mal. Ça picote bien dans ce mode là quand même. Hein. Ça picote quand même assez fort. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Cassos! Qu'est-ce que tu fous là, Sabaton? Non mais, qu'est-ce que tu fous là? Casse-toi! Casse-toi, Sabaton! Non mais, casse-toi! Non mais, Non mais, tu t'en vas! Non mais, va-t'en! Qu'est-ce que tu me fais chier, là? Non mais, laissez-moi! Ah oui, il y a tout le monde, là, ok, d'accord. Ils ont décidé de m'enfler, je crois que c'est maintenant. Ah, c'était pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. Ouch! Les tra explosifs, mais dégage! Aïe, 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 aïe. Vous allez saigner. Ah, c'est ça, venez dans le couloir, bande de crevards. Vas-y, toi, lâche-moi.
Allez-vous. Ok, elle est là. C'est bon. Tu bouges pas, j'en vais te négocier après. Je viendrai te calmer après, ça va tout. Saloperie. Pardon ? Mange-toi ça, quoi. Eh mais il y en a... T'en défonces un, il y en a deux qui reviennent derrière, quoi. Un peu la pression, là. T'es où ? Donne-moi ta tête. Bon, c'était pas elle, hein, qu'on soit clair. Bon, vous êtes vaincu, mais c'était trop facile. Oui. C'était pas elle. C'était pas Sabatoun, parce que c'était trop simple. Bon, je suis bien content d'avoir ressorti le sniper, le vieux sniper des familles, là. 380. Wow. Bah ouais, je vais équiper forcément. Quoi. Je vais forcément équiper. De toute façon, je vais me stuffer en bleu, hein, force. Hein. Je savais que j'allais me faire enfler. Et là, je vais me taire. Je crois que j'ai fini la première mission. Je vais couper la télé, je crois que ma femme est partie se coucher. J'attends la cinématique et je vais couper la télé. Gardien, vous me recevez ? Ça y est, Ikora. On est de retour sur Mars. De retour ? Mais d'où ? Le monde du trône de Sabatoun. Je sais, on aurait dû vous avertir. Mais on avait Sabatoun en ligne de mire. C'était peut-être notre seule chance, on ne pouvait pas la laisser passer. Je comprends parfaitement. Mais ça ne ressemble pas à Sabatoun de se montrer aussi imprudente. Il y a autre chose. Avant de quitter le vaisseau, on a croisé l'un de ses chevaliers. Et il... Il avait un spectre, Ikora. Comme nos porteurs de lumière. Un spectre ? Un chevalier de la ruche avec un spectre ? Mais alors ? Sabatoun a volé la lumière. Mais c'est impossible. N'est-ce pas ? Impossible. Avec Sabatoun, rien n'est impossible. Sabatoun, la reine sorcière, déesse de la ruche, de la ruse et des mensonges. D'après la légende, elle est née sur une planète lointaine et hostile, et aurait dû mener une vie brève et sans histoire. Seulement, son ver de compagnie l'a avertie d'un cataclysme imminent. Suite à cela, elle a emmené sa fratrie dans les profondeurs, où les anciens vers divins leur ont offert un pouvoir incommensurable. En échange d'un sacrifice de sang constant. C'est ainsi que la ruche est née, et que d'innombrables civilisations furent condamnées à l'extinction. Durant des siècles, elle a dévoré toute la vie et la lumière, à chaque fois qu'elle en trouvait, sans la moindre résistance. Jusqu'à ce qu'elle s'en prenne au gardien. Après la mort de son frère, Oryx,
Savathun est allé se cacher. Pas par peur, bien sûr, mais par stratégie. Savathun sait que la meilleure façon de vaincre son ennemi, c'est de le rejoindre. Par son tour le plus terrible, elle a infiltré l'avant-garde, nous a affaiblis de l'intérieur. Elle a volé notre ressource la plus sacrée, que nous pensions à jamais hors de sa portée, la lumière. Ok, j'ai remis la webcam, je voulais vous faire profiter des sous-titres, histoire que vous ne ratiez pas les sous-titres également, qui doivent être derrière la webcam, vu que je l'ai replacé maintenant. Et ben, pour une première mission, c'est assez costaud. Je dois l'avouer, donc là je me trouve dans l'enclave. Zone d'atterrissage de Mars. Ok. Source, attaque, nécessite de progresser dans la campagne de la reine sorcière. Ok. 1510 en puissance conseillée, je vous demande pardon. Saison des réincarnés, donc c'est ça, c'est la nouvelle saison. La reine sorcière, donc là j'ai le suivi de la quête principale. Il faut que j'aille parler à Ikora dans l'enclave de Mars. Alors par contre, est-ce que je reconnais Sanctuaire de la reine pondeuse? Donc là on est totalement dans une autre zone de Mars du coup. Donc on a abandonné la zone de Mars avec Rasputin, telle qu'on a pu la connaître à l'époque pré-Beyond Light, puisque je vous avais dit qu'il y avait plusieurs planètes qui avaient disparu pour Beyond Light, qui avaient été voltées, comme le disent les développeurs, étaient rangées dans le vault du jeu, pour ne pas occuper trop de place et trop de ressources dans le jeu. Et enfin, ça, c'est ce que disent les devs. Et du coup, là, elle ressort. J'étais bien en légendaire. La puissance est la même, sauf que c'est un peu plus punchy. Hein. Les niveaux, vous avez vu, là, j'ai commencé le stream à 21h45. Bon, certes, j'y suis allé au calme hein, sur le stream. Je me suis pas vraiment pressé. Enfin, je pouvais pas trop me presser non plus, parce que sinon, je me faisais défoncer. Autant vous le dire tout de suite. Mais du coup... Bah, d'une part, ça prolonge la durée de vie de la campagne principale, et comme je vous le disais, à côté de ça, ça vous donne des ressources supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable du tout. Ce qui n'est pas négligeable. Je vais faire un peu clean de mon inventaire, là, parce que j'ai trop de choses qui servent à rien, là. Donc, je vais cleaner tout ça tranquillement. Je passerai par Destiny Item Manager, je pense. Allez, je vais ranger des trucs comme ça. Et je vais revendre pas mal de matos qui me sert plus à rien aussi. Je pense que ça va me faire du bien également. Comme ça, je vais pouvoir monter la compétence de Banshee, comme je vous expliquais. Hein. On a la possibilité maintenant de monter la compétence de Banshee. Ça, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que je peux cligner encore ? Fais un peu de place dans mon inventaire. Ici peut-être aussi dans les armures. C'est quoi l'armure de bras? J'ai trop de trucs qui servent à rien. La bonne nouvelle, comme je vous dis, c'est que Dim fonctionne parfaitement. Donc ça c'est cool. C'est assez pratique en vrai. Ah, j'ai looté du 1376. Ah oui, je l'ai équipé déjà. Ah, il n'y a pas eu de refresh là. Ouais, d'accord. Ouais, je vais en équiper un dernier au niveau des casques.
verrai après pour Optimia, parce que là pour l'instant, de toute façon, j'ai encore trop de vieil équipement, c'est un peu ouf quoi. Les équipements de la saison 11, la saison 10 encore, il va falloir que je fasse un gros clean de tout ça. Donc, pour revenir un petit peu, donc là nous nous trouvons dans l'enclave. Ça, je ne sais pas où ça mène. Je vais aller voir tout de suite. Oh. Ah, c'est là où on va crafter, je crois. C'est là où il va y avoir le système de crafting, il me semble. Ça, c'est la forge qui va servir à crafter, il me semble. Ouais, donc ça, je vais y être amené plus tard. Pour l'instant, ça sert à rien que j'aille trop ici. Conduit de la relique active. Je vais pas trop brûler les étapes ou aller dans le mauvais ordre. Mais en tout cas, manifestement, c'est ici qu'on craftera qu'on fabriquera nos armes, dont le glaive, la fameuse nouvelle arme là, dont je vous parlais, qu'on va peut-être voir quelque part par là. Vous voyez, il y a plein de moules, manifestement, qui servent à crafter des parties d'armure. Vous voyez, il y a tout un tas de moules, de parties d'armes, pardon. Donc, à mon avis, c'est ici, ça s'appelle pas la forge. Mais c'est ici que se passeront les sessions de crafting d'armes. Donc ça, c'est une des grosses nouveautés du jeu. De l'extension Witch Queen. Donc ça, c'est quoi? C'est la boîte postale. Ouais. Ça ne va pas me servir à grand-chose. Autant le démanteler. Pour l'instant, je vais pas infuser. Hein. C'est quoi le coffre? Ouais. On dirait des trucs d'engrammes de l'Umbra, ça. Tableau d'épreuve? Qu'est-ce que c'est que ça? Pour le moment, vous pourrez revenir ultérieurement pour vérifier si les stocks ont été ravitaillés. Tableau d'épreuve. Le point focal des clandestins pour tout ce qui concerne les enquêtes dans l'enclave. Ok, donc ça doit être. Je pense lié aux activités de la saison. Enfin, je suppose. Et là, je viens juste de m'ouvrir à l'open world. C'est le cas de le dire, puisque j'étais toujours dans la première mission guidée jusqu'à maintenant. Là, je crois que c'était l'étranger. Enfin, l'étrangère, du coup. The Stranger. Là, il y a Ikora. Là, je continue l'émission. Quelles sont les nouvelles? Et sinon, j'ai les activités aussi de. L'avant-garde survivra à tout ceci. La dernière cité survivra aussi. Donc, j'ai les secteurs oubliés, j'ai les loot, les coffres à ramasser, les événements publics, les assauts. Ah oui, il y a de nouveaux assauts. Et oui, bien sûr. Ça, je les débloquerai au fur et à mesure de ma progression. Je vais regarder la saison pour savoir quelle est l'arme qu'on récupère cette année. Nous devons en savoir plus. Une mitrailleuse, une sulfateuse, ça c'est pas mal ça. Voilà, elle a une tête sympa. Elle a une tête sympa. C'est quoi ces perks? Crosse artisanale, cette crosse est optimisée pour le contrôle du recul, c'est très bien pour une mitrailleuse. La portée à 100? Ah, c'est pas le truc cabale, là? Nous écraserons ces prétendants. Ah, ça doit être l'arme cabale, là, qui envoie les grosses bastos, là. Puche, puche, puche. Ce que vous avez vu au tout début de la mission, je pense que c'est ça. Tiens, celle-ci, je vais me faire un plaisir de la récupérer quand j'aurai un peu monté ma puissance. Réussissez des tirs avec le suppresseur pour charger des missiles. Ouais, je crois que c'est la truc cabale là. Ouh, j'ai bien envie de la récupérer maintenant en fait. Oui, oui, c'est cool, garde. Bah, merci d'être passé. Oui, là, on rentre dans le spoil là. Donc, si tu comptes faire la saison, je t'invite vraiment à ne plus regarder le stream ou à le regarder quand tu auras passé cette step. Mais là, ça a l'air d'être. Tout bon, 90 jours la saison. C'était pas si long que ça avant.
Ah ouais, là, ils partent sur du 3 mois, une saison. Ah ouais, c'est costaud, là. Ok. Ouais, écoutez, c'est tellement tentant de la prendre maintenant, mais si je la prends maintenant, elle sera pas à un niveau de puissance très élevé. L'I-375, par contre, elle a l'air de tabasser, quoi. Après, je peux mettre des... Je peux l'infuser, hein. Je peux lui mettre de la puissance, mais je préférerais la monter un petit peu avant. Je vais regarder, tiens, les différentes zones qui sont revenues, du coup. Excusez-moi, mon esprit était ailleurs. Donc, la lune est passée là. La reine sorcière est là, donc le monde de Savatou. Ah, donc on a Mars, qui est éternité, ça c'est l'épreuve qui avait été proposée avec les 30 ans, donc l'anniversaire des 30 ans de Bungie. Donc on a Europe, on n'a plus la côte enchevêtrée comme je disais, on a toujours la cité des rêves, donc ça c'est une zone qu'on a depuis Destiny 2, premier du nom. Par contre, Mars, en fait, on a juste ses activités qui sont liées à la reine sorcière, quoi. Ok. La lune a été positionnée ici, on a Nessos. Ok. Bon, puis là, on a les... On a les épreuves classiques, mais il n'y a pas de gain pour la semaine, de pièces de prestige ou quoi que ce soit. Ok. Là, c'est quoi ces activités déjà? Dans le programme Chambre de Bataille Psyops. Pour choper des items de prestige. Donc ça sera à faire pour monter un petit peu plus rapidement son prestige. Là, c'est de l'équipement puissant. Bon, ça, de toute façon, il faudra le faire aussi. Il faudra passer par là, évidemment. Ça, c'est le grind classique de Destiny. Ok. On a du prestige ici, ou on a du prestige aussi. Ok. Bon, bah écoutez, on a toujours le cosmodrome, ça ne part pas. Ah oui, j'avais ma quête à finir pour récupérer le Galahorn, que j'avais entamé avant la fin de la saison, la dernière saison d'extension, la ZME. Ça change pas non plus. Et ça, c'est quoi? Chronologie, oui, d'accord. Quêtes, ouais, j'ai des quêtes de catalyste, bon ça je peux pouvoir les dégager puisque j'ai pas eu le courage de faire ma bannière, j'étais tellement bas en niveau, je me suis dit bon allez, laissons ça de côté, quoi je peux les garder pour la prochaine fois. Ah non, expire dans 2 jours et 23 heures, donc c'est mort, donc ça va mourir de sa petite mort. Ok, bah, je vais retourner à la tour quand même pour voir ce qui a changé. Surtout qu'a priori j'ai un engramme à ouvrir. Mais ça a été vraiment du coup super challenging en fait cette partie de campagne en légendaire. Donc bah, je pense que je vais faire toutes les missions comme ça. J'espère que j'arriverai à tenir le niveau. Mais du coup on monte plus vite. Enfin, on va moins vite dans la mission, mais on monte plus vite en puissance, manifestement. Si vous avez vu, les items que je récupère à chaque fois, c'était du plus 8, voire du plus 9, par rapport à mon niveau de lumière actuel. Donc ça, c'est super encourageant et super motivant de se dire, bah voilà, je vais dans cette épreuve-là en mode légendaire, et du coup, je vais prendre ma race, mais en contrepartie, je vais looter du stuff qui va me permettre de monter plus vite au soft cap, et peut-être de dépasser le soft cap aussi plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais il va falloir que j'avance un petit peu plus, je pense, dans la campagne principale pour débloquer après tous les niveaux de l'artefact, parce que je suppose qu'on a un artefact voilà, qui est bloqué pour l'instant, l'artefact saisonnier, mais que je vais débloquer auprès d'Ikora, voilà, dans l'enclave. Donc il faut que j'aille faire la prochaine mission avec Ikora, certainement, pour débloquer cet artefact-là. Mais je vous proposais de toute façon ma progression en live. Je pense que je vais refaire un live demain, tout simplement. Demain soir, je ferai un live, mais un peu plus tôt, du coup.
et je continuerai ma progression dans le jeu. Ah, c'est lui qui décrypte. Attends. Tout qui m'échappe. Ah oui, il nous reparle de. Oui, il nous refait le process de concentration des endroits, d'accord. Ouais, donc ça c'est pas Raoul, c'est pas chez Raoul qu'il faut. Qui, pourquoi? Ah, c'est pas un truc de récompense de l'édition de luxe, ça? C'est peut-être un truc. Ah oui, c'est ça, oui. Ça, c'est un des goodies d'édition Deluxe ou je sais plus quoi. Donc bah, ça, je vais le prendre avec plaisir. Je vais même l'équiper pour tout vous dire. Cela, j'avais rétro-causalité, qui était sympa aussi, hein, qui était chouette. Mais autant se servir des derniers. C'est arrivé. Donc, je vais aller voir le Simi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau ça. Ça, je pense que ça peut potentiellement servir dans le crafting. Oui, voilà, vous voyez un composant extrêmement rare permettant d'améliorer votre équipement. Un composant rare permettant d'améliorer votre équipement. Un composant extrêmement rare utilisant la conception d'armes. Voilà. Donc là, bah, je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, je découvrirai avec vous en live, je pense, sur l'un de mes streams, le crafting dans le jeu. Donc je vous expliquais que ça arrive un peu plus loin dans la progression de l'histoire principale, j'imagine. Et donc bon, on va être amené petit à petit à débloquer ses capacités et aller dans la fameuse zone où vous m'avez vu me rendre là sur Mars, une sorte de forge où on va pouvoir prendre différents éléments, les combiner pour donner des capacités, des perks précises aux armes qu'on va créer en fait. Donc ça se passera manifestement avec ce genre de ressources. Ok, très bien. Ben, je vais garder mon good old. Ombre et lumière pour l'instant. Je vais aller au Simu, mais avant je vais dépenser un peu de sous parce que là j'ai trop de thunes. Enfin j'ai trop de thunes, j'étais au cap de thunes et du coup bah, quand je suis dans l'émission je touche rien quoi. Donc, c'est un peu frustrant. Donc on va partir chez Soraya. Ah, elle fait partie des meubles maintenant. Je vais prendre les bannières de rêve par 10. Bon, allez, je vais en prendre deux packs comme ça sera réglé. Bien choisi, à une prochaine fois. Et maintenant, je vais me rendre au Simu pour cette histoire. Oui, j'étais là. Pour cette histoire de Tangram de l'Umbra. Normalement. Mais. Ah, on refait la quête complète? Parce qu'on avait déjà. On m'avait déjà montré ça dans les saisons précédentes. Ouais, bon bref, allons-y. En fait, quand vous concentrez les engrammes, je crois que vous pouvez orienter ce que vous allez récupérer. Au niveau des engrammes de l'Umbra. Donc les engrammes des ténèbres entre guillemets. Et ça, on nous l'avait déjà expliqué dans les saisons précédentes, mais peut-être qu'ils remettent une couche sur la nouvelle extension avec la saison 16 donc. Pourquoi pas? Il faut se dire qu'il y a des nouveaux arrivants qui passent ici, donc il faut leur expliquer aussi. C'est pas là du tout. C'est pas là du tout. Et ça, je l'avais pas fait d'ailleurs, ça. On peut travailler sa puissance sinu. Ça, c'est pas mal que ce soit encore là. Donc ça, je vais pouvoir, bah, du coup, c'est quelque chose que j'avais complètement zappé, comme je vous dis, puisque j'avais passé presque 8 mois sans... Ah, si, c'est là-bas. Hein. Bon, je comprends pas.
8 mois sans jouer au jeu, donc j'ai raté les saisons avec Kayatel, l'impératrice Kerbal, j'ai raté les saisons du Slicer, je sais plus, enfin avec Mithrax, et puis la dernière saison avec Marasov, et puis toute l'histoire qui s'est révélée autour de Savatoun. Donc j'ai juste rattrapé le lore et l'histoire sur YouTube, mais j'ai pas du tout participé à ces activités, quoi. Donc oui, mais qu'est-ce que tu... Ah, d'accord, c'est ici que ça se passe. Contenant une des 7 armes de la Cité des Rêves, hein, portant une armure légendaire trouvée dans plusieurs activités. C'est ça qu'on me demande de faire ? Alors, recommence. Qu'est-ce que tu nous dis ? Non, bon, bah, c'est bon, j'ai cramé mon truc en fait. Ah, retournez voir Maître Raoul. D'accord. Et on peut ressortir par là ? Non, je crois pas. Alors, j'ai récupéré quoi au fait ? Récit réitéré. Ah, coup double, c'est pas mal ça. Recharge double et coup double. Je verrai plus tard. Là, maintenant, du coup, je vais pouvoir commencer à peut-être ne pas être optimisé en puissance. Ne pas être optimisé en armes, être optimisé en puissance. Ouais, bon, en fait je dis de la merde. Je vais garder ces deux armes là, elles restent ultra efficaces. Allez, et je me retourne voir Raoul. Et je pense que je vais arrêter là-dessus les amis. Je pense que j'arrêterai cette première session découverte. Donc il va y en avoir plusieurs. Hein. Là comme je vous dis, je suis reparti sur Destiny 2. Alors ça durera le temps que ça durera. Hein. C'est comme d'habitude avec moi, je joue pas mal les trois premiers mois. En fait, suite à la sortie de l'extension, qui m'amène jusqu'à la fin de la première saison, généralement, ou le début de la saison suivante. Et puis après, je fais un break parce que c'est tellement cyclique, répétitif, que ça m'intéresse moins de rester sur la durée sur le jeu. Après, je reviens l'été suivant pour remettre un petit peu le couvert et repréparer la sortie de l'extension en fin d'année. Mais là, vu que l'extension sortait que début d'année suivante, bah, j'avais un peu mis de côté, en fait, Destiny, de façon globale. Alors, que va nous dire Maître Raoul ? Bienvenue. Ravi de découvrir le don naturel pour la concentration d'engrammes de l'Umbra. Beau travail, dit-il. Je suis heureux que les secrets de l'engramme vous parlent et j'espère que vous utiliserez son pouvoir avec sagesse. Il vous indique qu'il sera honoré de déchiffrer tout engramme que vous lui apporterez, sans toutefois vous promettre des résultats aussi puissants que ceux que vous pourriez obtenir au Conseil de guerre. Ah ouais, autant aller au Conseil de guerre. Et il me donne des lumens. Les mains écrites par les gardiens peuvent utiliser divers matériaux pour concentrer les engrammes de l'Umbra, ce qui leur permet de recevoir certains types d'armes et d'équipements. Oui. Ok. Bon. Ok. Et je vais juste voir avant de terminer Banshee. Donc, comme vous expliquez, maintenant on grind. Voilà, on grind le niveau de Banshee en démantelant par exemple des armes et des armures. Donc si vous avez vraiment un stock d'armes ou d'armures qui ne vous servent plus à rien, bah, c'est le moment de tout cliner pour faire monter votre progression. Comme vous voyez, démanteler des armes et terminer des contrats de l'armurier pour améliorer votre rang de réputation auprès de Banshee 44. À la fin de la saison 16, la progression va initialiser. Donc si vous avez vraiment trop d'armes qui ne vous servent plus à rien, démantelez-les et ça va vous faire monter naturellement le rang au niveau de la faction de Banshee. Permet de récupérer des engrammes, des matrices d'amélioration, des modules d'amélioration et ces fameux éléments, ces fameux composants qui servent dans le crafting maintenant des armes. Alliage ascendant. Donc c'est toujours bon à prendre. Ok. Bah écoutez les amis, c'était un plaisir de me retrouver avec vous sur ce stream de Destiny 2. Il fallait que je relance un petit peu ça et c'était le moment venu, le moment choisi. Je vous rappelle, nous sommes le 22 février 2022. C'était le moment. C'était là où il fallait que je reprenne des bons réflexes sur Destiny.
Et je vais vous reproposer du coup du contenu maintenant sur ma chaîne YouTube. Encore merci de m'avoir suivi pour ceux qui sont passés sur le stream. Je vous rappelle, pour ceux qui verraient la rediffusion tant qu'elle est sur Twitch, n'hésitez pas à me follow, à venir me soutenir sur ma chaîne. Je propose des contenus assez variés. Ça reste du gaming bien sûr, mais c'est du gaming un peu tout azimut. Donc là, j'ai proposé du Dying Light dernièrement, du Marvel Future Evolution qui est mon gacha game du moment, Destiny sur lequel je vais revenir. Il va y avoir du GT7 bientôt, je vous spoil un petit peu, mais Gran Turismo, c'est un peu une grande passion pour moi depuis le premier qui était sorti sur la première PlayStation. Donc il y aura du GT7 à un moment sur la chaîne, donc n'hésitez pas à venir me follow et à me suivre, comme ça vous aurez l'actualité de mon actualité gaming dès que je suis connecté et dès que je suis là à streamer du contenu. Encore une fois, merci à vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites également attention aux autres, toujours par les temps qui courent. Faites gaffe à vous les amis. À bientôt. Peace.